facile pour enregistrer. La parole, voilà. Par contre, vous... Mes chers collègues, nous poursuivons cette matinée. Monsieur Dangoumo, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de notre commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. Vous le savez, à la suite de très nombreuses révélations de sportifs et de divers scandales judiciaires, l'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête dont les travaux se déclinent autour de trois axes. L'identification des violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, l'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de service public. Le journal L'Équipe, étant la référence nationale de la presse sportive française généraliste, il nous est apparu indispensable de vous auditionner. Votre journal a en effet beaucoup contribué à la médiatisation des défaillances dans le monde du sport et à la prise de conscience collective des dérives dénoncées par de courageuses victimes. À cet égard, nous souhaiterions savoir si votre journal a déjà reçu directement des signalements de faits de violence et de discrimination dans le monde du sport, et si tel est le cas, la manière dont vous les traitez et y donnez suite. Auriez-vous des exemples précis ? Lors de son audition, M. Romain Molina a souligné à la fois le rôle important joué par le journal L'Équipe pour dénoncer des défaillances dans le monde du sport, notamment dans le rugby, tout en indiquant que concernant le football, beaucoup de grands journaux pourraient faire sauter la FFF demain, L'Équipe en premier lieu. Il y a des gens très bien à L'Équipe, mais d'autres protègent telle ou telle source au profit de règlements de compte. Il s'agit là d'un véritable problème. Vous avez été rédacteur en chef football du journal L'Équipe pendant plus de 7 ans. Quelle est votre réaction sur le sujet? Quels sont les principes déontologiques gouvernant la rédaction de votre journal? Avez-vous déjà subi des menaces en raison des articles que vous avez publiés concernant des faits de violence, de discrimination ou de corruption? Sur un autre plan, M. Marc Savourel, réalisateur d'un documentaire sur le racisme dans le football et auditionné par la commission d'enquête en juillet, a jugé cette discipline gangrénée par le racisme. Il en est de même des actes sexistes, comme le montre l'affaire Jennifer Hermoso. La championne du monde espagnole, embrassée de force par le président de la Fédération ibérique, Luis Rubiales, après la finale du mondial le 20 août dernier.
les actes racistes ou sexistes, notamment en marge ou au cours des compétitions, apparaissent insuffisamment réprimés. Êtes-vous favorable à l'interruption systématique des matchs lors de la survenue de tels comportements, que ceci soit le fait des supporters, d'arbitres, d'entraîneurs ou de joueurs? Quelles seraient les mesures à prendre pour changer les mentalités et disposer de sanctions efficaces? Pour mieux lutter contre le sexisme et les violences faites aux femmes dans le sport, la médiatisation du sport féminin apparaît indispensable, comme l'a souligné Madame Béatrice Barbus lors de son audition devant la Commission. Sur l'ensemble des chaînes de télévision, le sport masculin a représenté en 2021, selon l'ARCOM, 74,2% du volume horaire des retransmissions sportives en 2021 contre 4,8% pour le sport féminin. Quelles sont les statistiques de l'équipe? Avez-vous envisagé des changements au sein du journal pour mieux médiatiser le sport féminin? Craignez-vous une baisse des ventes? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « Je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Alors, je ne sais pas trop par où commencer parce qu'il y a beaucoup de questions dans votre introduction. Peut-être sur la manière dont, qui était votre premier point, sur la manière dont on peut avoir connaissance de faits, les faits que vous avez caractérisés. Effectivement, ça nous arrive assez fréquemment. Nos journalistes, nos reporters qui travaillent sur telle ou telle discipline, de recevoir des informations qui peuvent faire état de, puisqu'on parle de ça, par exemple, de violences sexuelles, de harcèlement, etc. Ça nous est arrivé dans les dernières années. Pour ce qui concerne le football, plus précisément, puisque moi, effectivement, comme vous l'avez dit, j'étais plus particulièrement chargé du football jusqu'à très récemment, ça nous est arrivé, oui, de recevoir des informations en ce sens. Ensuite, notre travail à nous de journalistes, il commence à ce moment-là, et notre objectif, c'est de faire en sorte de recouper ces informations, de nous assurer qu'elles sont fiables et qu'on a suffisamment d'éléments concrets, circonstanciés, pour pouvoir les publier. Toute la difficulté est là, surtout dans ces affaires, où, comme vous le savez, les témoignages, la prise de parole intervient très souvent plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années après que les faits aient été commis. Donc c'est un travail qui est difficile, dans lequel on ne peut pas s'engager avec légèreté, que ce soit pour les victimes présumées ou pour les personnes mises en cause. Mais ça ne nous a quand même pas empêché, ces dernières années, de publier, comme vous l'avez dit, toute une série d'articles, notamment sur le football, sur la FFF, si vous voulez, j'y reviendrai plus précisément ensuite, mais sur de multiples disciplines, de multiples fédérations, que ce soit la gymnastique, les sports de glace, voilà. Donc, le travail de journaliste, il est, dans ces cas-là en particulier, il est particulièrement difficile, il demande du temps, il demande donc de l'argent aussi, de l'énergie. Et parfois, on a des choses dont on pense qu'elles sont plausibles, mais donc qu'on ne peut pas publier parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments caractérisés, circonstanciés, de témoignages établis qui nous permettent la publication. C'est pas, donc, si vous voulez, je peux aborder brièvement les propos de M. Molina. Il est possible qu'on ait reçu des informations à certains moments, qu'on n'ait pas pu publier, mais ça n'a jamais été par souci de protéger un tel ou un tel, uniquement guidé par des préoccupations journalistiques et déontologiques. Voilà. Et je pense que jusqu'à présent, sur ces affaires-là, on n'a pas été pris en défaut.
Et tout le travail qu'on a fait est un travail qui a été un travail sérieux, et je le dis d'autant plus facilement que ce travail-là, ces travaux-là, ces articles-là ont été publiés sous la direction de mon prédécesseur et non la mienne, donc je peux d'autant plus facilement le dire. Voilà pour la première partie de vos questions. Je ne sais pas si vous avez des précisions. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Moi, je voudrais peut-être une précision sur ce que vous venez de dire. Parfois, oui, effectivement, vous recevez des informations sur des affaires, ou en tout cas des victimes peut-être qui viennent témoigner auprès de vous. Donc j'entends que parfois vous n'avez pas assez d'informations pour pouvoir écrire là-dessus, mais qu'en est-il en fait d'un signalement à la justice sur certains dossiers, par exemple, lorsqu'on estime que c'est de cet ordre-là, pour que justement la justice puisse enquêter et faire son travail, même si vous n'avez pas assez d'éléments pour le traduire en article? Alors, ce cas-là, c'est pas présenté, mais moi, j'ai pas connaissance de faits particuliers suffisamment caractérisés qui auraient pu nous conduire à faire ce signalement, si tant est que ce soit notre rôle. J'ai pas d'éléments là-dessus, voilà. Je peux pas vous en dire plus. Avez-vous des questions, mes collègues? Monsieur Audu. Merci, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Monsieur le Directeur, pour compléter un petit peu votre introduction, que j'ai trouvée, pour le coup, très, très, très brève, et qui, manifestement, ne reflétait pas, en tout cas, ne recoupait pas tous les sujets, moi, je m'interroge sur le traitement du racisme par votre journal. Et notamment de tous les racismes. J'ai regardé un peu, enfin je suis depuis de nombreuses années les articles qui sont publiés par l'équipe. Il est vrai qu'il y a de nombreuses pages sur des faits de racisme inadmissibles dans les stades, aux abords des stades, par des joueurs, par des supporters. C'est très bien. Il y a une seule forme de racisme qui est totalement absente de vos colonnes, de vos lignes, c'est le racisme anti-blanc. Et j'aimerais vous interroger là-dessus. Et je vais prendre appui sur un article que vous avez sorti dernièrement concernant la coureuse américaine Sha Carrie Richardson. Le 22 août dernier, elle a été sacrée championne du monde du 100 mètres à Budapest. Et après sa performance, ça a été vu sur les réseaux sociaux, ça a choqué beaucoup de monde légitimement. On a pu la voir refuser délibérément, ostensiblement, de répondre aux journalistes blancs, avant de s'arrêter pour répondre aux questions d'un journaliste noir. Et votre journal L'Équipe a publié un article en date du 28 août sur le bilan des performances, et il est totalement ahurissant de voir que cette séquence inadmissible, choquante, a été intégrée dans la catégorie « On a aimé » du journal L'Équipe. Et vous avez qualifié donc ce comportement raciste, vous l'avez qualifié simplement de clivant. C'est sûr que si ça avait été une coureuse, une athlète blanche qui avait refusé de s'adresser à des journalistes noirs, je ne suis pas sûr que le traitement aurait été le même. Donc ma question, elle est simple. Est-ce qu'il y a une différence de traitement pour vous entre les racismes? Est-ce que les racismes sont différents dans le sport? Et est-ce que le racisme anti-blanc est une réalité dans le sport, et particulièrement dans le football? Ça avait été relaté, relayé par Pierre Ménès en son temps, que ce soit dans le football amateur, mais aussi dans le football professionnel. Je vous remercie. Alors, je pense qu'effectivement, tous les racismes sont condamnables. En revanche, je vous laisse l'utilisation du racisme anti-blanc. C'est une expression qui est très connotée et avec laquelle je ne suis pas forcément très à l'aise. Effectivement, tous les racismes sont condamnables. En revanche, sur le cas particulier dont vous avez fait état, je pense qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments, encore une fois, pour aller dans la direction que vous auriez souhaité. Ça peut être le cas pour d'autres cas aussi. Je veux dire, comme sur les affaires dont on a parlé, sur des accusations de racisme dont on a eu connaissance parfois, sur certaines affaires récentes, on aurait bien aimé pouvoir les traiter. On n'avait pas suffisamment d'éléments pour y aller. D'autres médias
ont pensé qu'ils avaient les éléments pour le faire et ils l'ont fait. C'est la même chose, c'est-à-dire que si on a des éléments probants, circonstanciés, recoupés, on publiera. Si on n'a pas suffisamment d'éléments, on n'ira pas. Voilà, c'est assez clair. Et quelle que soit la discrimination ou le racisme en question, voilà. Et quant à mon introduction, c'était un peu long, donc si vous voulez me relancer sur des parties de votre introduction, je reviendrai dessus, évidemment. D'ailleurs, pour enchaîner, j'ai une question. Comment qualifierez-vous le rôle de l'équipe dans le mouvement de la libération de la parole, engagé depuis 2020 suite à la publication du témoignage de l'ancienne patineuse, Madame Sarah Witbold? Alors, je voulais juste rappeler que je pense que l'équipe, évidemment, n'est pas le seul média à avoir travaillé ces sujets-là, n'est pas le seul à avoir sorti des informations ou avoir traité ces affaires. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est en pointe sur ces sujets-là, sur le sport et sur toutes les questions que vous avez soulevées. C'est aussi notre rôle, puisque, comme vous l'avez dit, on est un média de référence sur le sport. Juste pour vous rappeler que dès 2013, sur la chaîne L'Équipe, on avait diffusé un documentaire sur justement les violences sexuelles qui s'appelait « Les violences sexuelles dans le sport, la fin d'un tabou ». Donc ça remonte à 10 ans. Donc ça fait pas 3 ans, ça fait pas 5 ans qu'on travaille ces sujets-là, ça fait de nombreuses années. Mais effectivement, depuis 3 ou 4 ans, ces sujets-là sont devenus plus prégnants, et sans doute que c'est lié à la libération à la parole prise par des anciennes victimes. Et effectivement, dans les sports de glace, quelques jours avant la publication du livre de Madame Witbold, on avait publié une grande enquête sur plusieurs entraîneurs de patinage artistique qui étaient soupçonnés d'agressions sexuelles, de viols sur des anciennes patineuses mineures à l'époque des faits. Et ça, c'est quelque chose que nous avions sorti les premiers. Et ensuite, on a travaillé ces sujets-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des sujets qu'on traite régulièrement et sur lesquels je pense qu'on a quand même, je pourrais revenir en détail si vous voulez, mais sur lesquels on a publié vraiment beaucoup de choses sur les 3-4 dernières années. Et je pense que c'est aussi notre rôle de travailler ces sujets-là. Je peux préciser que depuis 4 ans, l'équipe s'est dotée d'une cellule enquête, avec des journalistes qui sont dédiés à de l'enquête. Alors, c'est pas de l'enquête que sur la thématique des violences sexuelles, mais c'est une bonne partie de leur travail. Donc, c'est vraiment que c'est un champ qu'on a investi et sur lequel on estime qu'on doit de l'information à nos lecteurs. Encore une fois, l'information la plus fiable possible sur des sujets qui sont souvent très sensibles. Et combien de personnes sur cette cellule d'enquête ? Je vais essayer de réfléchir sans dire de bêtises. Ils sont 5. Alors, justement, comme on a pu le dire, vous êtes un quotidien de référence sur l'information sportive. Et la rédaction de l'équipe, vous nous l'avez dit, reçoit des signalements. Alors, peu importe, sur un spectre quand même assez large, je suppose. Mais en tout cas, moi, je vais me maintenir au signalement sur des faits de violence ou de discrimination. Et en fait, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir comment ils sont traités par vos équipes. Est-ce que ça donne lieu systématiquement à des enquêtes, même si on voit bien que sur le volet VSS, il y a donc une cellule enquête qui est dédiée à ces violences. Et est-ce que vous faites des signalements auprès de la cellule Signal Sport du ministère des Sports, par exemple, lorsque vous êtes alerté sur des faits? Alors, à ma connaissance, non. Mais encore une fois, je viens de prendre mon poste il y a quelques jours, donc je ne voudrais pas faire une erreur sur ce point-là. Je n'ai pas eu connaissance de ce genre de signalement. Nous, notre travail, c'est d'informer nos lecteurs et de les informer avec une information la plus précise possible. Et donc, quand on a ce genre de faits qui nous remontent, ça n'arrive pas tous les jours non plus, heureusement, notre travail, c'est un travail de vérification, de recoupement, de recueil de témoignages. Et voilà, on est amené à procéder à tout un tas de travaux pour aboutir à la publication. Juste peut-être pour préciser un peu plus, lorsque vous aboutissez justement à la fin de vos travaux de recherche, de témoignage, et que vous êtes sur le point peut-être de publier une enquête sur une affaire, est-ce que vous faites quand même, ou pas du tout, un signalement, que ce soit à la justice ou à la cellule du ministère des Sports ?
Non, mais quand on arrive à la publication, la publication, elle sert aussi à, comment dire, alerter les autorités compétentes. Et d'ailleurs, il y a certaines de nos enquêtes qui ont débouché sur des enquêtes. Pour parler du foot, puisque tout à l'heure on a parlé de la Fédération française de football. En décembre 2020, on a révélé coup sur coup deux affaires qui faisaient état de comportements déviants sur mineurs de la part de deux éducateurs qui avaient travaillé à l'Institut national du football de Clairefontaine. L'un de ces papiers a débouché sur une enquête du ministère des Sports. Voilà, je pense que ça, c'est typiquement notre rôle, comme on l'a fait aussi sur... Peut-être qu'on y reviendra sur le groupement d'intérêt public France 2023 pour la Coupe du monde de rugby. Donc voilà, c'est là que notre travail peut déboucher sur une action des autorités concernées si elles le jugent pertinent. Vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous avez des informations qui vous font défaut aujourd'hui, vous pourrez revenir vers nous, soit à l'oral, soit à l'écrit. Hein. Il n'y a aucun souci. Bien sûr, merci. Je laisse la parole à notre collègue Pascal Martin. Bonjour monsieur, Pascal Martin, député de la Dordogne. Il se trouve qu'au sein de ma cellule familiale, j'ai un grand lecteur de l'équipe qui me fait remarquer régulièrement que vous relayez un certain nombre d'affaires et de plus en plus, ce dont je vous remercie en tant que membre de la délégation aux droits des femmes et défenseuse de ces questions de violence sexiste et sexuelle. Mais je suis assez surprise, pour ne pas dire choquée, mais j'entends que vous venez de prendre vos fonctions, par le fait que vous ne signalez pas les faits qui vous sont révélés. Il est du devoir de tout citoyen et citoyenne de déclencher un article 40. Et donc, je viens de le vérifier, c'est très simple, en fait. Hein. Quand on a informé, quand on porte à notre connaissance l'existence de faits pouvant constituer une infraction, et ce, comme le prévoit l'article 40 du Code de procédure pénale, nous devons de signaler ces faits au parquet. Donc, est-ce que... pas eux en tant que presse peut-être, mais en tant que citoyen ou citoyenne, ça me paraît dans la droite ligne des choses. Enfin voilà. Donc moi, ma question, c'est est-ce que vous pouvez, puisque vous venez de prendre vos fonctions et donc vous pouvez impulser des choses nouvelles au sein de votre direction, est-ce que vous pouvez vous engager à signaler de manière plus systématique les faits, comme vient de vous le demander Madame la rapporteure, en vous donnant l'information de la plateforme que j'ignorais. Vous voyez, on est tous à apprendre des choses chaque jour. Voilà, il me semble important de s'engager dans ce domaine, parce que comme ça vient d'être dit à l'audition précédente, c'est tout un système qui est à l'œuvre, et que bien sûr MeToo a permis de libérer la parole, ça a été dit par la précédente personne, et on le sait toutes et tous, mais néanmoins il faut continuer, on n'a pas encore réussi à endiguer cette problématique des violences sexistes et sexuelles dans notre société. Je vous remercie. Alors je ne crois pas, mais vous connaissez sans doute mieux la loi que moi, mais je ne crois pas qu'en tant que média, on ait cette obligation qui revient à des personnes qui sont dépositaires d'une autorité. De la même façon, je ne pense pas qu'on ait vocation à faire des signalements tout azimut. Notre travail, ce n'est pas celui-là. Notre travail, c'est d'informer nos lecteurs du mieux possible et de faire en sorte de produire des enquêtes qui soient fiables et pas de faire des alertes systématiques dès qu'on entend un bruit à droite à gauche. Voilà. Encore une fois, vous connaissez sans doute mieux la loi que moi, et je m'excuse par avance si je commets une erreur juridique sur ce point, mais jusqu'à présent, je ne crois pas qu'on ait été confronté à ce genre de situation et qu'on ait été amené à faire des signalements, comme vous dites. Si je peux me permettre, en général, nous, on arrive souvent longtemps après que des informations soient remontées. On y reviendra peut-être après sur la question de la gouvernance. Que ces informations soient remontées auprès d'éducateurs, de dirigeants, de fédérations qui, eux, à mon avis, sont davantage habilités à faire ce genre de signalement. Et je pense que c'est un des problèmes que soulève la multiplication de la révélation de ces affaires ces dernières années, c'est que bien souvent,
les faits que nous, on va révéler plusieurs années après, ils ont été tus, ils ont été cachés, ils ont été un petit peu mis de côté dans les structures où ils ont eu lieu. Je ne veux pas faire un dialogue, juste dire que... Un dialogue entre vous et moi, juste dire que je pense réellement que si on veut changer le système qui est à l'œuvre, il faut que chacun et chacune s'implique. Et donc, j'entends qu'en tant qu'organe de presse, vous n'avez peut-être pas à tenir ce rôle, mais en tant que citoyen et citoyenne, si on ne se saisit pas tous de cette question, ça peut ne plus avancer comme on le souhaiterait. Juste vous dire ça. Donc, il n'y a pas de question et je n'attends pas une réponse de votre part, sauf si vous voulez rebondir, mais voilà, pour laisser la place à mes collègues. Merci. C'est juste pour dire que je pense que chacun, dans son rôle, peut effectivement jouer, avoir apporté sa pierre à l'édifice. Mais je pense que nous, notre rôle, c'est celui que j'ai précisé. Et je pense que le rôle que vous attendez, c'est celui davantage de, effectivement, de fédérations ou de personnes qui ont une autorité dans le milieu sportif. Je vous confirme, Monsieur Dangoumo. Je vais laisser la parole à Monsieur Jérôme Guetch. Merci. Moi, je rebondis sur ce point parce que, plus globalement, la question qui est posée, c'est celle, au regard du magistère moral que le journal que vous dirigez remplit, de sa capacité, justement, non pas à être obligé de signaler, parce que je confirme, là, pour le coup, que pas plus ce journal que les journalistes de Mediapart ou de Libé n'ont à l'obligation de faire un signalement quand ils ont connaissance de faits de nature délictuelle. L'article 40, il s'applique ni aux citoyens ni aux journalistes, il s'applique uniquement aux dépositaires de l'autorité publique, fonctionnaires ou élus. Par contre, et on le voit d'ailleurs, c'est pour ça que je citais Mediapart ou des journalistes d'investigation, dès l'instant où ils révèlent des faits, à ce moment-là, nous tous, dépositaire de l'autorité publique, nous en avons connaissance, et il arrive souvent que sur la base de révélations dans Mediapart, dans Libération, à la cellule d'investigation de Radio France ou ailleurs, nous fassions des articles 40. Et donc, la responsabilité qui est la vôtre, c'est de se dire, dès que nous avons connaissance de ces faits, alors il faut que les articles que nous écrivions puissent enclencher la mobilisation à la fois citoyenne et juridique qu'on appelle de nos voeux. Et on est ici dans une commission d'enquête, on va se parler franchement. Et en plus, vous arrivez avec une position nouvelle dans cette fonction. Le sentiment que des lecteurs attentifs de l'équipe que nous sommes et qu'il a pu arriver que la manière dont les faits étaient évoqués dans le journal, entretenait... Alors, les faits pouvaient être évoqués. Mais la manière, on va pas faire l'exégèse hein, du travail journalistique, mais la manière dont ils étaient évoqués pouvait aussi ne pas ouvrir le chemin à ce travail-là. Je vais prendre un seul exemple. Voilà. Moi, je considère, à la lecture des articles que j'ai vus dans l'équipe, pardon, que votre manière de traiter ce qui se passait à la Fédération des sports de glace était une manière, un peu endogame. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment, les faits étaient évoqués, mais la tonalité, le bruit de fond était celui qui n'ouvrait pas la porte à cette libération à la fois de la parole citoyenne et aussi de saisine. Et donc ma question, elle est simple, c'est comment un journal comme le vôtre, qui par définition travaille avec les fédérations, est en contact avec elles, à un moment donné, fait un arbitrage terrible entre les fédérations plutôt que les sportifs qui les composent. Voilà. C'est là, la responsabilité quasi déontologique, journalistique, éthique qui se pose à vous. Et vous confirmez, même si en effet, les affaires sont évoquées, mais qu'il y a eu, j'ai pris cet exemple-là avec Gayagué et d'autres, mais le sentiment qu'il y avait une sorte de je ne vais pas utiliser le terme d'omerta, mais parfois en évoquant les sujets, c'était aussi une manière contenir dans un certain espace de débat et de moins insister. Je pense notamment sur le droit de suite. Moi, j'ai souvent été frustré de ne pas avoir de droit de suite dans l'équipe
sur un certain nombre de ces affaires. Mais ce que je dis supposerait presque une exégèse article par article, et c'est la question de la, voilà, de la, cette tonalité et de cette responsabilité. Alors, je pense qu'il y a peut-être des cas où on n'a pas eu toujours le bon positionnement, ça peut arriver, on ne prétend pas à la perfection, et puis c'est souvent des matières voilà, qui sont délicates. En revanche, sur l'exemple que vous donnez, je suis un peu surpris, parce que pour le coup, comme je l'ai dit, on a été, en même temps que Mme Habib-Bol, à l'origine de la démission de M. Gayaguet. Je ne pense pas que si vous interrogez M. Gayaguet sur la manière dont on a traité sa fédération à ce moment-là, il soit de votre avis. Je pense que l'enquête qu'on a publiée donc quelques jours avant la biographie de Sarah Habib-Bol, elle a quand même participé à ce que le président de la fédération de l'époque soit fragilisé, subisse une pression de la ministre des Sports de l'époque, Mme Maracineanu. Et donc, je pense que, pour le coup, sur cette affaire-là en particulier, on a vraiment joué notre rôle et on n'a pas du tout, y a pas du tout une espèce de le moindre début de connivence avec les dirigeants fédéraux. Voilà. Après, ce que vous évoquez, c'est le rapport classique entre un journaliste et ses sources éventuelles, ses contacts, ses relations. Ça ne nous empêche pas de traiter des affaires. Je ne sais pas si on parlera de la Fédération française de rugby. Voilà, je pense que c'est aussi une fédération sur laquelle on a beaucoup travaillé, on a bien travaillé, et ça, y a eu des conséquences pour les dirigeants de cette fédération. Donc encore une fois, on peut parfois peut-être manquer de clairvoyance ou être un petit peu en retard sur des choses, mais je ne pense pas qu'en tout cas, dans notre réflexion, dans notre fonctionnement, le rapport à tel ou tel dirigeant n'est jamais un critère de publication, non-publication, d'enquête ou de pas-enquête. Voilà. Je pense que ça, il faut que ce soit clair. Je voudrais revenir sur les propos introductifs et également sur ce que vous citiez précédemment. Au cours de l'audition de M. Romain Molina, et qui nous parlait des défaillances dans le monde du sport et particulièrement dans le rugby, il indiquait que beaucoup de grands journaux pourraient faire sauter la FFF demain, et l'équipe en premier lieu. Il dit « Il y a des gens très bien à l'équipe, mais d'autres protègent telle ou telle source au profit de règlements de compte. Il s'agit là d'un véritable problème. » Je voudrais savoir quelle est votre réaction. Et je vais revenir aussi sur une question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous avez subi vous-même ou votre prédécesseur des menaces ? Alors, je n'ai pas l'intention de faire très long sur M. Molina. Je veux juste dire que je crois qu'il vous avait dit qu'il allait vous envoyer des documents écrits qui établissaient ce qui... Je ne sais pas si vous les avez reçus. Oui. Qui concernent l'équipe. Ah, parce que c'était quand même ce qu'il vous avait annoncé. Bon, je serais curieux de voir si jamais vous les recevez. En tout cas, n'hésitez pas à me les transmettre. Je serais très intéressé pour les analyser. Je ne sais pas ce que ça veut dire faire sauter la FFF. Nous, à l'inverse, par rapport à ce que disait Monsieur Gage, on ne positionne pas pour dire on va faire sauter tel ou tel fédé, tel ou tel dirigeant. On n'est pas là pour ça. En revanche, quand il y a une affaire, on la traite. Et en l'occurrence, sur la Fédération française de football, je pense que les affaires, on les a traitées. Je vous parlais des révélations qu'on avait faites en décembre 2020. En septembre 2022, on a fait une enquête sur la manière dont la Fédération française de football traitait justement les questions de violences sexuelles. Donc c'était bien avant l'affaire Le Graët qui a conduit à son départ de la Fédération. On a publié en exclusivité une interview d'une agente, Sonia Swede, qui mettait en cause le comportement de M. Le Graët au tout début de l'affaire. Donc encore une fois, quand on a des éléments, y compris sur la Fédération française de football, on les travaille et on les donne. Et cette accusation, elle me paraît un petit peu faite à l'emporte-pièce. Il n'y a aucune circonstance, il n'y a pas de nom. Moi, je peux vous dire aussi, structure, où je peux vous dire à l'Assemblée, il se passe ci, il se passe ça, sans donner de nom, sans donner de faits précis, sans donner de date. C'est très facile. Les faits, ils sont là. Nous, on a travaillé sur la Fédération française de football. On n'est pas les seuls, hein, je ne dis pas qu'on est les seuls. Et M. Molina, d'ailleurs, travaille aussi sur ces sujets-là.
Mais nous aussi, on travaille dessus et je ne pense pas qu'on ait à rougir de la façon dont on a traité les affaires de la Fédération française de football et en particulier le cas de M. Le Graët. Je vous remercie pour cette réponse. Et la suivante, est-ce que vous avez subi vous-même ou vos collègues des menaces ? Alors, oui, ça peut arriver. Dans ces affaires, comme dans d'autres, en fait, ça peut arriver, effectivement, et surtout quand vous mettez en cause des personnes sur des affaires comme ça. Encore une fois, je ne vais pas vous dire, là, on a reçu telle ou telle menace précise, j'ai pas d'exemple en tête. Mais voilà, un journaliste qui enquête, forcément, il peut être confronté à ce genre de réaction, et donc il peut aller jusqu'à la menace. Que ce soit verbal ou écrite. Ben, encore une fois, ça peut être verbal, ça peut être des messages, ça peut être... il peut y avoir aussi des procédures judiciaires qui peuvent essayer d'entraver le travail journalistique. Voilà, des plaintes en diffamation un peu... qui ne sont pas forcément fondées, mais qui peuvent essayer d'impressionner et de faire reculer le travail journalistique. Mais sur ces questions-là en particulier, j'ai pas d'exemple précis à vous donner. Merci. Par contre, juste pour les prises de parole, je vais devoir distribuer dans la salle, donc on ne prend pas la parole sans autorisation, Monsieur Gage. Fabienne Kolbok. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais avoir un peu votre avis. Tout à l'heure, vous avez énoncer le fait qu'il fallait aussi voir comment se passait la gouvernance au sein des fédérations pour lutter contre ce phénomène. Et du coup, vous, en tant qu'expert du sport, si vous deviez faire un article sur le modèle idéal d'une fédération sportive, quelles seraient les propositions que vous pourriez faire ? Le modèle idéal, c'est un peu ambitieux, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le point commun souvent entre toutes ces affaires, si on reste sur les violences sexuelles, comme je l'ai dit, c'est que ce sont souvent des affaires dont des personnes ont eu connaissance à l'époque des faits, de manière plus ou moins parcellaire, mais qui n'ont pas débouché au sein des fédérations ou des structures concernées sur une véritable enquête, des témoignages, un recueil de témoignages. Et donc c'est pour ça que c'est des affaires qui restent parfois enfouies des années, des dizaines d'années, ce qui est particulièrement douloureux pour les victimes. Et je pense que la gouvernance et la manière dont les fédérations ou les structures au sein de ces fédérations sont organisées a une incidence sur le recueil et la capacité à faire émerger et à faire cesser aussi des conduites déviantes ou délictueuses, voire criminelles. Alors l'organisation parfaite, je ne pense pas qu'il existe une organisation parfaite comme ça à dévoiler. Mais je pense qu'il y a des pistes sur la manière d'éviter effectivement ce genre d'écueil. Je peux juste vous dire que nous, on avait fait en février de cette année, on avait réuni plusieurs personnalités du monde du sport justement sur la question de la gouvernance. Et on avait établi en gros quatre propositions. Donc si vous voulez, je peux vous donner les propositions qu'on avait faites à l'époque et qui concernent la gouvernance au sens large, pas spécifiquement ces affaires. Il y avait déjà un point sur la rémunération des dirigeants, parce qu'aujourd'hui, être dirigeant de fédération, ça peut être vraiment un métier à plein temps et qui demande un engagement, une implication qui est celui d'un travail. Et la rémunération peut aussi éviter certains risques, certains écueils. La question du mode de scrutin. Il y a certaines fédérations où le mode de scrutin, c'est celui de la Fédération française de football, par exemple, mais c'est un mode de scrutin qui avait été à l'époque validé par le ministère des Sports. Ne prévoit pas d'opposition au sein du comité exécutif, qui est le gouvernement de la fédération. Donc ça, on peut penser que c'est un problème et je pense que c'est un des problèmes qu'il y a eu à la Fédération française de football, qu'aucune opposition ne puisse s'exprimer, que ce soit en interne ou en externe. Et
ce qui a donné lieu peut-être aux dérives qui ont débouché sur les affaires dont on a eu connaissance ensuite. Et ensuite, je pense, alors ça c'est une proposition qui est, je pense, qui me paraît assez intéressante et sur laquelle peut-être, je pense, la commission pourra peut-être réfléchir, c'est celui de la création d'un organe, d'une autorité administrative indépendante, de la même façon que il y a une agence française de lutte contre le dopage. On pourrait imaginer une agence qui travaille sur les questions d'éthique et de gouvernance, sur le même modèle, c'est-à-dire celui du modèle d'une autorité indépendante, avec peut-être un pouvoir disciplinaire, puisque la FLD sur le dopage a un pouvoir disciplinaire, pour éviter justement voilà, les problèmes, et qui pourrait se saisir de cas, ou qui pourrait être alerté justement de cas. Parfois, une fédération, elle a du mal aussi à, comment dire, à traiter ces sujets-là, parce que l'enjeu pour elle, ça peut être aussi un enjeu d'image, un enjeu financier. Et voilà, quand une affaire de dopage ou de violence sexuelle touche une fédération, objectivement, c'est pas bon pour elle. Alors, c'est pas un argument, mais parfois, ça peut peut-être compter à l'heure de mesurer l'énergie et les moyens qu'on va mettre pour faire une enquête sur des faits, sur des soupçons qui ont pu émerger. Donc je pense que voilà, la ministre des Sports a créé en mars un comité pour l'éthique et la vie démocratique qui est présidé par Madame Buffet et Stéphane Diagana, qui doit remettre, je crois, des propositions à l'automne. Peut-être que parmi ces propositions, il y aura, je ne sais pas, la création d'une agence indépendante, ou en tout cas d'une structure qui permettrait de traiter ces problèmes-là à un niveau, au-dessus du niveau fédéral, qui, je pense, on l'a vu ces dernières années, n'est pas suffisant pour traiter ces dossiers-là de manière efficace et transparente. Et la dernière proposition, mais qui est peut-être un peu plus... concerne peut-être moins le travail de la commission, c'est celui aussi de la manière dont l'État finance les fédérations. Il y a certaines fédérations qui sont très riches, la Fédération française de foot, celle de tennis, même celle de rugby. Voilà, c'est des fédérations qui ont des moyens, qui reçoivent des droits télé. Et peut-être que l'aide sous différentes formes que lui apporte l'État, elle pourrait être redirigée vers des fédérations qui en ont davantage besoin. Voilà, c'est les quatre pistes qu'on avait dégagées à l'issue des débats, donc avec les personnalités qu'on avait accueillies à l'équipe. Merci pour ces quatre propositions. On va laisser la parole à notre collègue Pierre-Henri Dumont. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Je voudrais rebondir sur la question de mon collègue Gage. Ça a été dit, votre journal fait référence en France, probablement en Europe également, en ce qui concerne le sport et tout ce qui touche au sport. Mais on est sur une question qui peut concerner l'ensemble des fédérations sportives. Et on l'a vu, la fédération, quelle que soit sa taille, qu'elle soit grande ou toute puissante, vous y avez référence à la Fédération française de football ou des fédérations peut-être un peu plus confidentielles, peuvent être touchées. Il y a plus d'une centaine de fédérations en France. Je suppose que vous n'avez pas au moins un journaliste qui suit chaque fédération au sein de votre rédaction. Et donc j'aimerais savoir comment vous organisez concrètement le travail d'investigation au sein de votre journal, une fois que vous avez connaissance de faits qui peuvent sembler être étayés. Quand on est sur, par exemple, une fédération où il y a beaucoup de journalistes qui suivent, votre ancienne partie qui était celle du football, évidemment, peut-être le cas. Comment vous faites, par exemple, en ce qui concerne les sports de glace, où je suppose que vous n'avez pas une mirabelle de journalistes qui suivaient les sports de glace, et comment faites-vous, dans le cas de ces petites fédérations, en tout cas où il n'y a pas ou peu de journalistes qui sont dédiés à cela, comment faites-vous pour grossir les effectifs, faire comprendre rapidement les enjeux au sein de la fédération, les enjeux de pouvoir au sein d'une fédération, parce qu'il y a des enjeux de pouvoir également, de comment est-ce qu'on fait pour garder un siège de président, pour faire élire les bons administrateurs au bon moment, et comment vous assurez-vous que dans ces fédérations qui sont couvertes par exemple un journaliste au sein de votre journal, qu'il n'y ait pas
une volonté de minimiser ou de griller des sources, puisqu'on sait très bien que ça fonctionne aussi comme cela, avec quand on est journaliste, quand on cherche des informations, quand on est en relation directe et étroite avec les décideurs de la fédération en question, il y a, ce qui a été dit par mon collègue, des arbitrages à faire. Donc comment faites-vous pour peut-être outrepasser la décision du simple journaliste et en faire une décision de rédaction, de creuser, avec quels moyens mettez-vous en place pour pouvoir accélérer, creuser et vérifier si, avant de publier, les informations qui ont été présentées, transmises, méritent d'être publiées. Juste, je vais juste vous demander de respecter le temps et donc de faire des questions très courtes, s'il vous plaît. Merci. Alors, effectivement, on n'a pas une personne par fédération, on n'a pas une rédaction suffisamment grande pour le faire. En revanche, je pense qu'on a un regard sur toutes les fédérations. Voilà, il y a des personnes qui ont un regard sur plusieurs fédérations à la fois. Et donc, la question que vous posez, ça, en fait, ça peut venir de plusieurs façons. Mais les journalistes qui suivent ces fédérations, ils ont un réseau, des contacts qui peuvent leur permettre, à un moment donné, effectivement, de recevoir une information qu'ils vont juger digne d'être creusée, d'être traitée. Et après, je reviens sur la création de notre cellule enquête, qui vise aussi à résoudre cette petite difficulté, et donc qui est spécifiquement, elle, dédiée à le travail sur les affaires, quelles qu'elles soient, et donc qui peut concerner les fédérations. Et donc, voilà, par exemple, sur la fédération de gymnastique, on a un journaliste de notre cellule enquête qui a sorti assez récemment une enquête sur un club de gymnastique assez réputé, où il y avait il y a plusieurs enquêtes en cours. Donc voilà, ça peut, ces affaires, elles peuvent venir à nous, on peut les traiter par différents biais. Et ensuite, la question que vous posez de la relation aux sources, aux dirigeants, sur ces affaires-là, je pense que, notre engagement, c'est en tout cas de considérer qu'on ne peut pas se permettre d'être dans la mansuétude ou l'indulgence parce qu'on connaît telle ou telle personne. Et donc, moi, j'ai jamais eu connaissance d'une discussion dans la rédaction ou d'une réflexion en disant « Bon, j'ai entendu ça sur un tel, mais bon, on va le mettre sous le tapis. » Et puis non, si on a quelque chose, notre rôle, notre mission journalistique, c'est de travailler. Et de creuser et d'enquêter sur toutes les personnalités qui peuvent faire partie du monde sportif. Merci. On va laisser la parole à notre rapporteur. Merci. Alors, je vais poser trois questions qui sont différentes, mais sur lesquelles j'aimerais vraiment vous entendre. La première, c'est sur ce que vous venez de dire, justement, et vous faites bien de le rappeler, vous êtes une équipe donc, de journalistes qui font des enquêtes, mais vous n'êtes pas officier de police, vous n'êtes pas enquêteur de police. Et c'est pour ça que je posais la question au départ. Si, par exemple, vous arrivez dans des situations où il y a des signalements et que vous enquêtez sur des affaires, mais que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout pour en sortir un article, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, un signalement serait propice, justement, pour transmettre des éléments à la justice ou à la police pour qu'ils puissent, eux, faire un travail d'enquête beaucoup plus poussé et peut-être qu'ils aboutiront là où, en tant que journaliste, vous n'avez pas pu aboutir et donc aller jusqu'à cet article. La deuxième question, et là, je vais rebondir sur les propos de mon collègue Jérôme Guedj que je partage. De nombreux sportifs ou dirigeants sportifs ont été mis en cause, à juste titre, hein, dans vos colonnes et dans votre journal. Mais pour les gens qui sont blanchis ou dont les accusations ne donnent pas suite, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de droit de réponse pour ces personnes et il n'y a pas de possibilité de se défendre dans vos colonnes? Je pense que ça pourrait être une bonne chose de pouvoir justement traiter l'affaire jusqu'au bout, y compris quand les personnes sont blanchies et qu'elles ne sont plus mises en cause dans certaines affaires. Et enfin, peut-être dernière question sur laquelle aussi j'aimerais vous entendre, c'est sur le traitement, enfin le racisme et son traitement dans votre journal. Vous avez titré, par exemple, il y a quelques années de ça, sur un ancien champion olympique, Jamel Bourras, « leader plutôt que dealer », comme si ses origines le prédisposaient finalement à cela, alors qu'à ma connaissance, il n'y a aucun casier judiciaire.
ou encore pour sa médaille d'argent, l'argent du beurre. Moi, j'aimerais comprendre quels sont les mécanismes, en tout cas le processus au sein de votre journal qui conduit à des unes de ce type-là. Est-ce que vous trouvez cela normal, même si je sais qu'à l'époque, vous n'étiez pas encore à ce poste ? Je vous remercie. Alors, sur la première question, je pense que l'un des principes déontologiques et journalistiques majeurs, c'est le secret des sources. Et quand un journaliste, quand il est informé par une source de fait que ce témoin lui confie, il lui doit le secret, à moins que cette personne l'autorise à livrer les informations qu'il lui a données. Et en l'occurrence, si cette personne l'autorise à livrer les informations qu'il lui a données, elle peut elle aussi signaler. Nous, notre travail, c'est vraiment celui d'informer. Et je comprends votre question. Si je peux me permettre, d'une part, vous n'êtes pas obligé de citer la source. Et puis, il y a aussi un devoir quand même vis-à-vis de la protection des victimes supposées dans les informations qui vous sont transmises. Donc vous n'estimez pas en fait que même si vous n'aboutissez pas à un article, il n'y a pas de nécessité de transmettre à la justice ou à la police pour qu'ils puissent enquêter ? C'est une question délicate. Peut-être que j'oublie que ma mémoire est défaillante, mais je ne crois pas qu'on ait été confronté à ce cas sur ces affaires-là sur les dernières années. Encore une fois, parce que souvent, les faits dont on a connaissance ont été commis plusieurs années avant. Je ne sais pas si... Je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne sais pas si c'est votre rôle. J'entends votre remarque. Elle est tout à fait pertinente. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le travail du journaliste. S'il n'a pas d'éléments suffisants, s'il n'a pas d'éléments suffisamment probants pour faire ce genre de signalement, mais peut-être que les choses peuvent évoluer, je ne sais pas. Juste sur les deux autres questions, donc droit de réponse et le racisme. Alors sur le droit de réponse, j'ai un exemple assez récent en date. On a couvert et assez longuement l'affaire Benjamin Mendy en Angleterre. Et quand il était acquitté, on a fait notre une avec Benjamin Mendy pour dire qu'il avait été acquitté. Donc je pense que c'était une manière aussi de traiter son acquittement à la hauteur de la manière dont on avait traité tout le procès et les accusations dont il avait dû répondre. Ensuite, on est toujours ouvert à la parole de quelqu'un qui a été mis en cause et qui aurait été innocenté. Dès que c'est possible, on le fait. Et dès que, comme sur l'affaire Mendy, si quelqu'un veut s'exprimer après avoir été innocenté, il avait des soupçons qui ont pesé sur lui, on refusera jamais de lui ouvrir nos colonnes, au contraire. Voilà, le cas se présente pas souvent, parce que souvent, c'est pas forcément envie de s'exprimer après avoir vécu ça, mais si ça se présente, et quand ça se présente, on le fait sans aucune difficulté, au contraire. Et sur la dernière question, j'avoue, je reconnais avec vous que ces titres sont plus que maladroits. Je pense qu'ils remontent. Voilà, je pense que ça remonte à pas loin de 25 ou 30 ans. Si je peux me permettre, c'est plus que maladroit. C'est voilà, enfin vraiment titré leader plutôt que dealer, c'est beaucoup plus que maladroit. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'article, mais je suis d'accord avec vous sur au moins sur le deuxième. Mais je pense que c'est une époque différente et ça n'enlève rien au fait que ces titres ne sont pas des titres qu'on aurait dû choisir à l'époque. Puisque le temps passe très vite et que je voudrais revenir sur la médiatisation du sport féminin, j'ai deux questions dans la salle. D'une part, on va enchaîner les deux questions et vous aurez l'occasion de répondre juste après. Monsieur François Picmal et monsieur Julien Audoul. Voilà. Oui. On le voit à travers nos auditions et le fait qu'il y ait une commission d'enquête. Je pense que ce qui est attendu des fédérations de sport est beaucoup plus important qu'avant en termes d'exemplarité. Et de la même manière pour le principal journal sportif du pays, qui est l'Équipe, et donc vous. Et moi, je voudrais savoir, étant donné toutes les affaires qu'il y a eu par le passé, que vous avez pu révéler ou auxquelles on a pu assister par différents biais,
Est-ce que l'équipe pense ou réfléchit à faire en sorte de davantage mettre en valeur peut-être les bonnes pratiques de fédération, que ce soit dans la lutte contre le racisme ou contre les VSS, à travers des rubriques spéciales, parce qu'au-delà des affaires, il y a aussi ce qu'on doit montrer de positif et qui doit élever tout le sport français. À la manière, d'ailleurs, on voit, très rapidement, on voit très bien que cette attente d'exemplarité, elle existe en France, mais elle existe aussi en Europe, avec ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, avec l'équipe de foot masculine qui prend fait et cause pour l'équipe de foot féminine et des comportements du président de la Fédération espagnole sur le sujet. Donc votre question, c'est savoir si on... Excusez-moi, on va laisser la parole à M. Julien Odoul et puis vous aurez l'occasion de répondre après. Merci. Merci, Madame la Présidente. Une demande de précision et de clarification, Monsieur le Directeur. Vous nous avez dit tout à l'heure, tous les racismes sont condamnables, mais, et en même temps, vous n'êtes pas à l'aise avec le racisme anti-blanc qui est connoté. Donc pourquoi n'êtes-vous pas à l'aise avec le racisme anti-blanc et pourquoi, selon vous, est-il connoté? Ensuite, sur l'affaire de la sprinteuse américaine donc, qui a refusé de parler à des journalistes blancs, vous nous dites, on n'a pas assez d'éléments. Vous n'avez pas assez d'éléments, pourtant vous mettez ce fait raciste dans votre catégorie « on a aimé ». Et troisième question, elle est très claire. Si une athlète blanche avait refusé de s'exprimer et de répondre aux questions de journalistes noirs, est-ce que vous l'auriez intégrée dans une catégorie intitulée « on a aimé » ? Alors c'est l'expression racisme anti-blanc que je dis qu'elle est assez connotée. Voilà, après, je ne dis pas que des personnes blanches ne peuvent pas être victimes de racisme. Je vous parle de l'expression. Ensuite, pour votre comparaison, si on a la preuve que la personne ne s'est pas exprimée en raison de la couleur de la peau ou de l'ethnie de la personne qu'elle avait en face d'elle, effectivement, on va le dire, on va le traiter comme il se doit. Mais il faut encore pouvoir l'établir de manière certaine. Monsieur Pitman, donc, la question. Alors, c'était sur le fait de mettre en valeur les bonnes pratiques, c'est ça ? Oui, par exemple, le fait qu'il y a sûrement des... Pour préciser, il y a sûrement des fédérations ou des organismes qui ont des bonnes pratiques volontaristes de lutter notamment contre les faits de racisme, les vrais faits de racisme, je veux dire, et contre les VSS. Oui, quand c'est le cas, quand il y a des initiatives ou des bonnes initiatives qui sont prises, pardon, on en fait état. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a plutôt été amené à faire état de dysfonctionnements. Et peut-être que dans les prochaines années, quand les fédérations, si les fédérations sont amenées à prendre des mesures qui vont dans le sens que tout le monde souhaite ou que vous souhaitez, on en fera état. On a beaucoup aussi travaillé avec, traiter certaines associations qui travaillent ces sujets-là. Je sais que vous avez reçu le président de l'association Colosse au pied d'argile. Voilà, c'est quelqu'un dont on a parlé il y a assez tôt, au moment de la création de son association. Voilà, donc quand il y a des initiatives ou des acteurs qui traitent ces sujets-là et qui font avancer les choses, on en fait état et on les traite. Merci à vous. Pour revenir sur le deuxième thème, la médiatisation du sport féminin, je vous signalais en préambule que le sport féminin représente, selon l'ARCOM, 4,8% en pourcentage d'images sur nos chaînes et sur nos médias. Et s'agissant de la chaîne donc du journal de l'équipe, disposez-vous de statistiques sur l'exposition du sport féminin versus le sport masculin ? Alors, moi, je ne suis pas directeur de la rédaction de la chaîne, seulement de la rédaction du site et du quotidien. En revanche, moi, ce que je peux vous dire sur le traitement de... On peut peut-être aller tout de suite sur le fond du sujet, sur le traitement du sport féminin. Moi, quand je suis entré à l'équipe, pour vous donner un exemple, donc c'était en 2002... les matchs de l'équipe de France de football, donc des femmes, étaient traités, quand on les annonçait ou quand on rendait compte du match qui avait eu lieu, par des brèves. Donc ça faisait
je ne sais pas, peut-être 10 lignes dans une colonne de brève. Donc ça, c'était il y a 20 ans, ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Et je pense que quand on voit aujourd'hui la manière dont on traite le foot féminin, le sport féminin plus largement, mais pour prendre l'exemple du foot féminin, l'avancée, elle est vraiment spectaculaire. Je veux dire, on fait régulièrement des unes sur l'équipe de France de football féminin, sur les équipes de clubs féminines. Et c'est aujourd'hui un sujet qu'on traite, je ne dirais pas à l'égal des compétitions de garçons, ce serait pas vrai, mais qu'on traite comme des compétitions à part entière et avec tous les enjeux, les problématiques et les modes de traitement qu'on utilise pour des compétitions de garçons. Ensuite, c'est un petit peu comme sur la question des dysfonctionnements au sein des fédérations et des violences sexuelles en particulier. Je pense que j'estime que l'équipe fait son travail. Alors peut-être que parfois on pourrait mieux le faire, peut-être que parfois on pourrait aller plus vite. Mais je pense que l'équipe fait son travail sur la médiatisation des sportives femmes et des compétitions qu'elles disputent. Ensuite, ce n'est pas nous, médias, qui pouvons faire ce travail seuls. Et nous, quelque part, même si on peut être proactif, et je pense qu'on l'est en de nombreuses circonstances, ce travail-là, il doit être aussi et d'abord mené par les fédérations et par le monde sportif lui-même. Nous, en quelque sorte, on reflète aussi le sport tel qu'il est. On peut pousser un peu pour montrer le sport tel qu'on voudrait qu'il soit, mais on ne peut pas non plus transformer, ne serait-ce qu'auprès de nos lecteurs, le sport qu'ils voient ou qu'ils vont lire, qu'ils vont regarder. Et donc, la mise en valeur du sport féminin, des compétitions de sport féminin, elle revient aussi aux fédérations, qu'elles soient nationales ou internationales, et à leurs dirigeants, et aux acteurs aussi économiques, je pense. Donc vous avez parlé des télévisions, effectivement, la chaîne, l'équipe en tant que diffuseur a un rôle à jouer, mais on est aujourd'hui un acteur qui n'est pas un acteur majeur sur le domaine des droits sportifs. Il y a des acteurs qui ont des droits beaucoup, qui ont des moyens beaucoup plus importants que nous, même si on réussit avec nos moyens à proposer une offre sportive de qualité sur notre chaîne. Et donc c'est aussi c'est un travail qui n'est pas de la seule responsabilité des médias et de l'équipe en particulier, même si effectivement on peut avoir une dimension prescriptive pour pas mal d'acteurs. Oui, je pense que comme journal de référence, en tout cas, vous participez à l'éducation aussi de vos lecteurs et d'un public masculin vers un sport féminin, pour donner un peu plus d'image, de reconnaissance aussi au sport féminin. C'est pas que le public masculin, c'est aussi le public féminin. Parce que c'est pas que le public masculin qui doit aller voir le sport féminin. Vous avez raison de me reprendre, c'est vrai. Et l'un de nos enjeux aussi, pour les prochaines années, c'est aussi de mieux nous adresser, de plus nous adresser à nos lectrices. Ça fait partie des chantiers qui sont en cours. Mais encore une fois, je pense qu'il faut regarder de où on vient et où on est aujourd'hui. Et même s'il y a beaucoup de chemin à parcourir, je pense que sur la question de la médiatisation, on est quand même, il me semble, même si je ne suis peut-être pas objectif, on est un peu plus avancé que sur celui de la reconnaissance, par exemple, financière des sportives. Voilà. Deux questions. On enchaîne également dans la salle. Oui, alors moi, très rapidement, alors, puisque la rapporteure m'en donne l'occasion, moi, je vous félicite en tout cas parce que vous avez réussi à faire beaucoup de promotions sur le biathlon, et autant hommes que femmes. Et je crois qu'en France, on est tous devenus dingues du biathlon, et c'est grâce à l'équipe, enfin, en tout cas, à la chaîne L'Équipe. Non, juste une question. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est un comité de rédaction ou... À chaque fois que vous sortez un ouvrage, est-ce que ce sujet justement des violences, de tout ce qui peut se passer, est-ce que c'est un sujet abordé? Est-ce que vous formez vos journalistes pour justement qu'ils puissent à un moment donné remonter des choses par écrit? Bah, ils ont
pas forcément besoin d'être formés spécifiquement. Ensuite, les journalistes qui font partie de la cellule enquête, c'est des journalistes qui sont justement habitués à traiter ce genre d'informations et à savoir voilà, comment aller chercher, recueillir des informations, comment les recouper. Donc, eux, ils sont peut-être un peu plus compétents sur ce... Ce qu'on peut proposer, ce qu'on propose régulièrement, c'est des formations juridiques, par exemple, à nos journalistes qui peuvent servir dans ce genre d'affaires. Ensuite, c'est, on va dire, en conférence de rédaction, puisque c'est aussi le travail de la hiérarchie, la responsabilité de la hiérarchie de la rédaction, d'impulser ce genre de sujet. Et je pense que voilà, sous la direction de mon prédécesseur, c'est un travail qui a vraiment été fait. Moi, j'en ai été témoin. Et vraiment, il y avait une volonté d'être moteur sur ces sujets-là et d'inciter nos journalistes à aller les explorer. Ça passe tout simplement aussi par la manière dont vous les exposez. C'est-à-dire que un de vos journalistes fait une enquête sur une affaire de racisme ou de violence sexuelle et que vous l'enterrez en bas de page ou que vous lui demandez 10 lignes, il ne sera pas trop incité à revenir dessus. En revanche, si vous l'exposez, que vous en faites une double page, que vous l'exposez en une de votre site, que vous en faites éventuellement un appel de une sur votre journal, ça va valoriser son travail. Donc c'est aussi une façon d'encourager la rédaction à aller sur ces sujets-là, je pense. Une question de Madame la rapporteure. Juste avant, Monsieur Dumont. Très bien. Merci. Alors, c'est une question qui avait été posée au début de cette audition. Vous avez été justement rédacteur en chef, on l'a dit. On a reçu Monsieur Marc Savourel en juillet dernier dans cette commission d'enquête, suite à un documentaire qu'il avait réalisé sur les actes racistes, notamment au niveau de la FFF. Et l'une des questions qui avait été posée, c'était sur la question de l'interruption systématique des matchs quand il y a des propos ou des comportements racistes. Et on voulait avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous y êtes favorable? Parce qu'on nous a dit que c'était... Enfin, voilà, il y a des avis très mitigés là-dessus, mais on aimerait avoir votre avis là-dessus. Alors, je vais m'exprimer à titre personnel, sans engager ma rédaction, puisqu'on a... On n'a jamais pris position là-dessus, donc je pense qu'on peut trouver des arguments pour et contre. L'argument pour, évident, c'est qu'on peut penser que l'interruption régulière de match pourrait emmener à la baisse ou à la fin d'actes racistes. On n'en est pas sûr non plus. Donc c'est aussi la limite de ce genre de décision. Je pense que dans les cas où ça s'est passé, il y a eu le cas lors d'un match du PSG contre un club turc il y a 3 ans, où les joueurs avaient en gros incité l'arbitre à interrompre la rencontre. Et voilà, la répercussion avait été assez importante, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, je pense que c'est peut-être de nature, sans doute, à marquer les consciences. Donc moi, je n'y serais pas opposé, en tout cas au moins pour une expérimentation, et pour voir en gros est-ce que ça a un effet réel ou pas sur les actes racistes. Ensuite, il faut être très humble là-dessus et très prudent, parce que il y a tout un tas de comportements dans les stades, là je ne parle pas de racisme, mais de violence, ou qui sont que le monde sportif a du mal à arrêter. Et donc, je ne suis pas sûr que arrêter les matchs serait la seule solution. En revanche, je pense qu'il y a un travail à faire, mais là, on n'aura peut-être pas le temps de l'aborder, mais il y a un travail à faire sur la manière dont la justice, notamment, se saisit aussi des faits de racisme ou de violence dans les stades. Le monde sportif, il a un pouvoir, et il doit l'exercer, et parfois, il ne l'exerce pas suffisamment ou pas assez bien, pour prévenir... et pour arrêter, interpeller les auteurs d'actes racistes ou d'actes de violence. Ensuite, son travail, le travail des clubs, par exemple, ou des dirigeants sportifs, il s'arrête souvent à la sortie du stade. Et à la sortie du stade, c'est à la justice, souvent, de se saisir de cas individuels pour
éviter que ces personnes-là reviennent, au moins un temps donné, dans une enceinte sportive. Alors la justice, elle fait ce travail, mais elle n'a pas que ça à faire. Et dans la hiérarchie des délits ou des crimes qui sont commis dans nos sociétés, ces faits-là, et c'est assez logique, ils ne sont pas non plus toujours en haut de la pile. Donc il peut y avoir en fait un petit fossé entre la manière dont ces affaires sont médiatisées, et elles sont souvent très médiatisées, nous les premiers, on en parle quand ces faits-là arrivent, on en parle, on leur donne de l'importance, et la manière dont ensuite ils sont traités par la justice, qui encore une fois fait avec ses moyens, avec son travail, mais qui peut-être n'a pas suffisamment de moyens, ou en tout cas qui n'a pas dans son ordre de priorité, n'a pas ces faits-là en tête de liste. Merci. Monsieur Dumont. Merci, Madame la Présidente. Vous avez évoqué, Monsieur le Directeur, la volonté du journal qui est le vôtre de mettre en avant le sport féminin, peut-être un peu plus que ce qui est dans la société, que c'est aussi à la société en entier d'évoluer. Donc, position un peu avant-gardiste du journal. On peut voir, par exemple, le nombre de unes qui ont été faites suite à la Coupe du Monde féminine ou lors de la Coupe du Monde féminine, mais en parallèle, les difficultés qu'il y a eu pour diffuser et trouver des diffuseurs pour les matchs de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous avez des statistiques de cette évolution, par exemple en termes de lectorat féminin de votre journal? Est-ce que depuis que vous faites beaucoup plus de une sur le sport féminin, en particulier en ce qui concerne le football, parce que là c'est l'exemple du football, est-ce que vous avez beaucoup plus de femmes qui sont lecteurs du journal ou pas? Et de la même façon, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont, s'il y a des différences entre le nombre de vues des articles qui sont mis en ligne entre les sports féminins et les sports masculins qui sont équivalents? Par exemple, en ce moment, on est en pleine phase finale de l'US Open. Est-ce que vous avez des différences de clics entre les différents articles? Je vous remercie. Alors, là, je n'ai pas de données chiffrées à vous donner immédiatement parce qu'il faudrait que je les prépare. Mais sur l'évolution du lectorat, il me semble qu'effectivement, la part du lectorat féminin progresse, mais c'est assez modeste sur les dernières années. Et sur la lecture ou des articles, ou que ce soit dans le journal ou sur notre site. En fait, c'est délicat de vous répondre. On va dire à sport égal ou à compétition égale, le sport masculin reste largement beaucoup plus consommé par nos lecteurs. Je ne pense pas que par nos lecteurs, mais par les lecteurs en général, ou par les amateurs de sport. En revanche, ça dépend aussi de la discipline. Et donc le football, par exemple, qui est le sport majeur, voilà, parfois, on va dire une compétition de sport féminin ou un article qu'on va publier sur le foot féminin, va être beaucoup plus lu qu'un article sur un sportif masculin dans une discipline qui est un peu plus confidentielle. Donc c'est voilà, la hiérarchie, c'est pas une hiérarchie absolue et il y a pas mal de nuances. Effectivement, ce que vous disiez sur la difficulté à trouver un diffuseur pour la Coupe du Monde cet été révèle aussi que là c'est une logique en partie une logique économique et révèle aussi que les diffuseurs ils ont du mal à commercialiser en gros ces événements-là à la hauteur de ce qu'ils font sur une Coupe du Monde masculine. Une petite dernière pour Monsieur Gedge, et ensuite nous avons une question en commun. Ce sera d'une phrase avec Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. D'une seule question, vous avez parlé j'ai évoqué tout à l'heure le fait que c'était des milieux un peu endogames, tout le monde se connaît. Donc la question c'est, est-ce que vous avez des dispositifs spécifiques pour gérer ce qui peut parfois apparaître comme des conflits d'intérêts entre certains de vos journalistes et les relations qu'ils peuvent avoir personnelles, peut-être professionnel avec certains des dirigeants de fédération qu'ils sont amenés à suivre? Et ça renvoie à la question de la... Est-ce qu'il y a une charte de déontologie sur ces questions-là spécifiques pour vos journalistes? Alors, on n'a pas de charte spécifique à l'équipe, mais en gros, les principes déontologiques auxquels on doit répondre sont les mêmes que que n'importe quel journaliste. Et ensuite, effectivement, il peut y avoir des cas qui sont un peu sensibles. Dans ces cas-là, c'est à nous, en gros, de veiller à mettre en place des garde-fous ou des alertes pour éviter toute distorsion dans le traitement d'une information.
Mais encore une fois, nos journalistes, ils ont bien conscience des principes auxquels ils doivent répondre. Et on n'a pas été confrontés sur ces affaires-là à des journalistes qui auraient volontairement escamoté ou minimisé des faits dont ils auraient eu connaissance. Au contraire, je pense que nos journalistes aujourd'hui, ils ont bien conscience du fait que ces affaires-là, elles sont importantes à traiter pour l'équipe et pour nos lecteurs en premier lieu. Alors vraiment la dernière, Fabienne Kolbok. Oui, merci. C'était juste pour revenir un petit peu tout à l'heure sur vos propos par rapport à la question posée sur les menaces que certains journalistes pouvaient recevoir. Et je voulais savoir, est-ce que vous savez si certains ont porté plainte par rapport à ces menaces? Et pensez-vous pas que c'est une bonne manière aussi, des fois, de stopper un petit peu ces menaces à partir du moment où il y a des plaintes qui sont déposées? Comme vous disiez tout à l'heure, par rapport à la justice, doivent se saisir aussi de ces mouvements au sein des matchs. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez aller jusqu'au bout aussi en portant plainte quand des menaces sont proférées aux journalistes? Oui, bien sûr, si on a connaissance de menaces circonstanciées contre nos journalistes, on peut déposer plainte. On le fait, ça n'arrive pas souvent, heureusement. Voilà, c'est pas réduit seulement à ce genre d'affaires. Voilà, les journalistes, ils sont confrontés à des réactions d'hostilité sur des sujets qui vous paraîtraient peut-être assez mineurs ou assez beaucoup moins importants que ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais quand c'est le cas, effectivement, des menaces et la diffamation est prononcée contre un journaliste, évidemment qu'on porte plainte pour défendre le journaliste. Et cette fois, donc, la dernière question, parce que nous avons une audition à suivre. Je vais laisser la parole à Madame la rapporteure. Et cette question, si vous le voulez bien, vous avez une première étape à l'oral, et on vous la reposera à l'écrit, afin que vous puissiez compléter si besoin. Merci. Merci. Donc, une question plus générale, puisqu'on est parti sur cette commission d'enquête sur les dysfonctionnements, en tout cas au sein de ces fédérations. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Et donc, la question serait, pour nous, quel bilan dressez-vous des dispositifs mis en place par le ministère des Sports pour renforcer l'éthique dans le sport et prévenir les violences, quelles qu'elles soient, donc VSS, discrimination, racisme, avec notamment le contrôle d'honorabilité pour les encadrants? Le gouvernement souhaite œuvrer en faveur d'une meilleure articulation entre les procédures pénales, administratives et disciplinaires. Partagez-vous ce constat d'une situation perfectible, même si on a un peu évoqué le sujet? Je vous remercie. Oui, effectivement, je vous répondrai par écrit de manière plus précise. Que la situation soit perfectible, je pense que c'est assez évident. Et pour ce qui est des questions d'éthique, je reviens sur le comité qui a été créé par le ministère des Sports. Je pense qu'il faudra voir quelles propositions émergent de ces travaux. Mais évidemment qu'il y a des progrès à faire dans la manière dont le sport traite les dérives auxquelles il est confronté. Je ne crois pas qu'il soit particulièrement... c'est un petit aparté, mais je ne crois pas que le sport soit ni plus ni moins confronté aux dérives qui peuvent traverser la société. Sur certains aspects, celui des violences sexuelles, il est un peu plus exposé pour différentes raisons. Donc c'est un sujet dont il doit effectivement s'emparer. Je pense que ça a commencé. Mais sans doute qu'il n'est pas allé au bout. Et je pense que la mesure dont vous avez parlé paraît aller dans le bon sens, évidemment. Et il y en a sans doute d'autres. Et je pense que, voilà, là, je reviens sur l'une des propositions dont j'ai fait part tout à l'heure. Je pense que la création d'un organe indépendant qui serait muni de vrais pouvoirs peut permettre de traiter ces sujets-là de manière, on va dire, macro, et en évitant de déléguer aux fédérations ces sujets-là, sachant que les fédérations, comme je l'ai dit, peuvent parfois être confrontées à des dilemmes ou à des limites en raison de leurs moyens ou de leur fonctionnement. Monsieur Dangoumo, est-ce que vous pensez nous avoir tout dit ou est-ce que vous voulez compléter sur un point précis ?
On n'a pas parlé, mais c'est peut-être sur la question de la gouvernance de la Fédération française de rugby. Moi, je voudrais insister sur le travail qu'on a fait là-dessus, parce que aussi bien sur l'affaire Altrad-Laporte, je ne sais pas si vous avez tous les faits en tête, que sur les faits de harcèlement qu'on a révélé au JIP France 2023. Je pense que l'équipe a vraiment fait un travail moteur. Et pour nous, c'est vraiment c'est un modèle de ce qu'on peut faire et de ce que, sans doute, on doit faire quand on a connaissance de ces sujets-là. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que notre but est de faire tomber les dirigeants ou les fédérations, pour reprendre une expression qui a été utilisée, mais seulement de faire notre travail d'enquête et d'information auprès de nos lecteurs d'abord, mais aussi de la société et des autorités qui peuvent, grâce à nous parfois, apprendre des choses qu'elles peuvent ensuite faire suivre. Nous vous remercions pour votre participation à cette audition et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres points à ajouter. Et la dernière question de Madame la rapporteure, nous vous la renverrons, comme je le disais, par écrit si vous souhaitez compléter l'information. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir auditionné.
Donc, chers collègues, nous poursuivons nos auditions de la matinée. Nous sommes ravis de recevoir Madame Angélique Cauchy. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie vivement de vous être rendue disponible pour nous faire part de votre témoignage. Nous avons entamé les travaux de notre commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportifs et sportives, dont le vôtre, et de divers scandales judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux se déclinent donc autour de trois axes. L'identification des violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, l'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de services publics. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de nous faire part de votre expérience lors de cette audition, étant donné le courage que cela requiert. Vous avez dénoncé les faits de violence de la part de votre entraîneur de tennis, M. Andrew Gaetz, qui s'est avéré être un prédateur sexuel maniant la manipulation psychologique. Vous avez ainsi été humilié et violé près de 400 fois lorsque vous aviez entre 12 et 14 ans. Et vous avez dénoncé le règne de l'omerta de la part de votre entourage dans le monde du tennis. Presque 15 ans plus tard, avec d'autres victimes du même prédateur sexuel, vous avez réussi à dénoncer ces viols qui ont conduit à la réclusion criminelle de cet entraîneur pour une durée de 18 ans. Puis vous avez créé l'association Rebond pour conduire des interventions de prévention et de sensibilisation auprès des clubs et de la Ligue, ainsi que de la formation et de l'aide aux victimes. Pouvez-vous nous expliquer votre calvaire à l'époque, le cheminement que vous avez suivi jusqu'à votre plainte et les conséquences de ces violences sur votre santé physique et mentale depuis ? Pour nous permettre de comprendre la gravité de ces faits. Pouvez-vous également présenter votre association et nous indiquer les mesures qui, selon vous, devraient être mises en place pour lutter contre de telles pratiques ? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ une heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure, après avoir activé votre micro. Je vous remercie. Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Tout d'abord, je voulais vous remercier, vous aussi, d'avoir créé cette commission et de vous soucier de ce fléau qui touche le sport, mais pas que. Voilà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Angélique Cauchy, j'ai 36 ans et aujourd'hui, je suis professeure de PS et j'habite dans le sud-ouest de la France, à Bayonne. J'ai commencé le tennis à 4 ans. Alors, je suis d'une famille, ma mère est espagnole et elle a vécu des violences sexuelles quand elle était plus jeune. Enfin, sa maman s'est fait violer devant elle quand elle était très jeune et j'ai grandi avec cette image. Elle me l'a raconté quand j'étais toute petite et j'ai tout de suite eu une relation où j'étais plutôt la mère de ma mère. Elle était très fragile, elle avait des traumatismes qu'elle n'a pas réussi à régler. Et mon père est quelqu'un du nord de la France qui parle peu, qui n'est pas très démonstratif et qui disait pas je t'aime. Et moi, j'étais une enfant qui avait besoin de beaucoup de reconnaissance. J'étais HPI, HPE, donc haut potentiel intellectuel et émotionnel. Et voilà, j'avais de l'avance à l'école. J'attendais qu'on dise toujours que c'était bien. J'essayais d'être la petite fille parfaite et j'avais besoin du regard des autres. Et donc, j'ai commencé le tennis parce que j'allais en Espagne en vacances et il y avait un prof de tennis à la plage qui avait dit à mes parents, inscrivez-la, elle a l'air super douée. Donc, je m'étais inscrite et rapidement, j'ai joué avec des garçons de 12 ans parce qu'il n'y avait pas de filles de mon niveau dans mon club. Et à 7 ans, j'ai été prise par la Ligue du Val d'Oise qui fournissait des entraînements supplémentaires et qui donnait une bourse dans mon club pour que je puisse m'entraîner davantage et que ça coûte pas trop cher à mes parents parce que ma mère ne travaillait pas et mon père était fonctionnaire de police. Donc on n'était pas particulièrement aisés.
Et donc, voilà, j'ai continué à jouer jusqu'à mes 12 ans dans ce club-là. Et à 12 ans, j'ai dû changer de club parce que ce n'était pas un assez gros club. Et donc, j'avais le choix entre deux clubs, Aubonne et Sarcelles. Et Aubonne, c'était le club où il y avait entre guillemets mes rivales. Et le tennis, c'est un sport individuel où on nous monte quand même très rapidement les uns contre les autres. C'est très difficile pour des enfants d'être... C'est un sport difficile parce qu'on est seul. Et donc, je suis allée dans l'autre club, Sarcelles. Et donc, je devais m'entraîner avec le directeur sportif qui, cette année-là, a eu une promotion et est devenu entraîneur fédéral à la Ligue de Seine-Saint-Denis, Patrick Bouteiller. Donc, finalement, ce n'est pas lui qui m'a entraînée, c'est l'autre entraîneur, Andrew Guedes, qui, au début, était très gentil, qui avait un peu un rôle de copain ou de grand frère. Et moi, je souffrais dans ma famille de sortir peu, de ne pas aller au cinéma, de ne pas aller être dans des musées, de ne pas aller voir des concerts. Mes parents n'étaient pas très curieux, ils n'avaient pas fait d'études. Et moi, j'étais en recherche de découvrir le monde. Et lui m'a apporté ça parce que voilà, il m'a offert un atlas du monde très rapidement. Et je passais mes soirées à regarder la densité de population de tous les pays, à apprendre toutes les superficies par cœur. Et il m'a amené voir des matchs du PSG. J'étais fan du PSG. Et c'est comme ça que ça a commencé, parce que j'étais jamais allée au Parc des Princes. Et la seule image que j'avais du Parc des Princes, c'était mon père qui était CRS et qui me disait que lui, il passait son temps à regarder les tribunes et il pouvait pas trop regarder le match. Mais il me racontait un petit peu l'ambiance. Et donc moi, je regardais ça avec mes yeux en me disant « j'aimerais tellement y aller ». Et donc quand cet entraîneur m'a proposé, mes parents, ils ont vu dans mes yeux tellement d'envie de vivre des choses qui m'ont pas interdit. Ils ont dit d'accord, et la première fois, ça s'est très bien passé. Il m'a ramené chez moi. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à dire il faudrait qu'elle s'entraîne davantage. Et j'entraîne dans un deuxième club à côté de chez moi. Les gens sont meilleurs. Je peux venir l'entraîner. Je vous la ramène. Et donc, j'étais de plus en plus seule avec lui dans les transports ou sur des lieux qui n'étaient pas à mon club. Et puis, une fois, il a dit à mes parents ça serait plus pratique qu'elle dorme à la maison parce que ça fait loin pour moi de la ramener après. Et mes parents ont fait confiance parce qu'ils n'ont pas vu le mal. Et la première fois, il ne s'est rien passé. Il m'a laissé sa chambre, il a dormi dans le salon. Et puis en fait, petit à petit, c'est devenu quasiment comme un rituel qu'après les entraînements un peu tardifs dans son deuxième club ou après les matchs de foot, bah, je restais chez lui dormir. Et en fait, il a pris possession de la programmation de notre tournoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est un jeune joueur de tennis, on fait beaucoup, beaucoup de matchs. Et je faisais 125 matchs par an en plus de ma scolarité. Ça fait l'équivalent d'un match tous les trois jours. Et donc, mon père, il était le seul à conduire. Et c'était une grosse charge pour lui de devoir gérer mes entraînements, mes matchs et ceux de ma petite sœur qui avait 2 ans de moins et qui jouait aussi au tennis. Donc, ça a été un soulagement pour ma famille quand il s'est proposé de m'inscrire dans des tournois et de m'y emmener. Et voilà, il y a un soir où il est resté, il m'a demandé s'il pouvait me raconter une histoire. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, j'avais quand même 12 ans, j'en avais pas 5. Et j'ai dit, il n'a pas d'enfant, peut-être qu'il a besoin d'affection, peut-être qu'il voudrait que je sois comme sa fille. Et puis la fois d'après, il est resté un peu plus longtemps. Puis après, il me demandait si je pouvais lui caresser le dos et puis il me prenait dans ses bras. Et en fait, ça s'est fait tellement petit à petit que je savais que tout ça n'était pas normal. J'étais très mal à l'aise, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne savais pas à quel moment il fallait que je dise stop. Et j'étais seule, loin de chez moi, à 30 km, et à 12 ans, on n'est pas capable de s'opposer physiquement et psychologiquement à un adulte, d'autant plus si c'est quelqu'un qu'on respecte et qu'on admire. Et surtout si on pense que cette personne va nous aider à peut-être accéder à nos rêves. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivée au club de Sarcelles, à 12 ans, je n'avais pas du tout envie d'être joueuse professionnelle. Moi, je voulais faire Sciences Po l'ENA. Et donc, voilà, le monde du tennis, pour moi, j'étais dans les 3-4 meilleures joueuses françaises, mais je ne me voyais pas être joueuse professionnelle. Et lui a mis cette graine, en fait, à me dire que j'avais le potentiel, que je pouvais largement être dans les 10 meilleures mondiales seniors, que j'avais du talent, j'étais gauchère, revers à une main, que j'étais grande... que j'étais plus intelligente que la moyenne sur un terrain de tennis, etc. Et au fur et à mesure des entraînements, ça prend tellement une part importante qu'on se détache aussi de ce qui est la vie d'un adolescent classique. Et moi, quand j'étais au collège, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas qui était Friends. j'avais rien en commun avec ceux qui étaient avec moi à l'école. Parce que j'allais en classe, en plus j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, ils avaient 2 ans de retard, moi j'avais des années d'avance, donc on était quand même,
C'était un monde qui nous séparait. Et moi, je sortais des cours et je sortais en courant pour que mon père me récupère et m'emmène m'entraîner jusqu'à 20h30. Puis je rentrais chez moi et c'était ça tout le temps. Et les week-ends, j'avais les tournois. Donc j'étais vite seule aussi au collège. Et cet isolement participe aussi au fait de violence que peuvent subir des jeunes comme ça dans les milieux sportifs. Parce que c'est comme moi, aujourd'hui, je suis professeure de PS. Voilà, comme le harcèlement, quand un enfant est seul, il est beaucoup plus facilement une proie. Et je pense qu'il a vu que j'étais une proie facile, entre guillemets, pour plein de raisons. Parce que j'avais une faille de reconnaissance que j'avais pas de ma famille, parce que j'avais besoin de découvrir le monde, une curiosité que mes parents n'arrivaient pas à satisfaire, parce que j'avais besoin d'être, si c'était possible, parfaite, la meilleure possible en tout cas, et ils pouvaient me pousser très loin physiquement et psychologiquement, et j'étais capable d'encaisser. Et cette exigence aussi, finalement, s'est retournée contre moi. Si je n'avais pas accepté tout ça par envie de bien faire, bah, peut-être qu'il aurait choisi quelqu'un d'autre. Mais voilà, et puis un jour, il m'a plaqué contre le couloir en face de sa salle de bain. Il m'a embrassée sur la bouche et là, ça m'a fait un choc. J'étais sidérée. Ça s'est fait en quelques mois, en même pas 2-3 mois. Et je lui ai dit non, il faut pas, c'est pas bien, moi, je veux pas. Et il me dit mais quoi, tu sais, ça arrive souvent, les relations entraîneur-entraînée, on passe tellement de temps ensemble, c'est normal, les gens peuvent pas comprendre, mais ça arrive souvent. Et moi, je voulais pas du tout, il avait l'âge de ma mère. Enfin, moi, j'avais ma seule expérience, c'était l'été d'avant. J'étais tombée amoureuse, entre guillemets, du grand frère d'Adrien Manarino, qui est un joueur de tennis, qui s'appelle Morgan. Et au bout de 3 semaines à passer notre temps ensemble, on s'était tenu la main. Donc, c'était un peu ça, mon expérience. Et donc, il m'a dit c'est rien. Et moi, j'étais tétanisée. 10 minutes après, dans l'ascenseur, il m'a réembrassée. Et je ne me suis pas opposée physiquement. Et là, j'ai su que ça allait être compliqué de m'en sortir. Et en fait, je n'ai jamais rien dit à mes parents. Parce que j'aurais pu peut-être le dire à ce moment-là. Après, c'était certainement trop tard. Mais à ce moment-là, j'aurais peut-être pu le dire. Mais mon père, il nous disait, qui ne parlait jamais, c'est quelqu'un du Nord, nous disait tout le temps, si un jour quelqu'un vous fait du mal, je n'attendrai pas que justice soit faite. Je lui mettrai une balle entre les deux yeux, quitte à prendre 20 ans de tôle. Et c'est quelque chose qui m'a tellement marquée. Et j'ai tellement grandi avec cette arme qu'il ramenait qu'il laissait dans la cuisine. Et je savais où elle était. Je savais qu'il ne fallait pas la toucher. Je ne l'ai jamais touchée. Que c'était quelque chose de réel. Je savais que potentiellement, ça pouvait arriver. Je me disais, il dit certainement ça, mais il ne le fera peut-être pas. Mais même si c'était 1% de risque qu'il le fasse, c'était impossible que je prenne le risque que mon père fasse de la prison parce qu'il avait tué quelqu'un, que ma mère, qui était déjà fragile, parte en hôpital psychiatrique et que ma petite sœur et moi, on parte en foyer. Donc je me suis dit, il va falloir que je m'en sorte seule. Et ça m'a pris 2 ans. Et avant mes 13 ans, il m'avait déjà violée digitalement avec le pénis. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à la barre, c'est assez bizarre et étonnant de le dire, mais je préférais les fellations parce que ça me faisait pas mal. Donc si c'était possible, je faisais une fellation. Si c'était un endroit où je savais que j'allais, il y avait une possibilité pour qu'il se fasse prendre, ben, j'essayais de perdre du temps pour que ça ne se passe pas. Et si c'était chez lui ou dans un endroit clos, ben, je le faisais le plus vite possible pour que ça soit terminé. Mais sur le coup, on ne se rend pas compte de répercussions que ça va avoir toute notre vie sur notre construction. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de survivre. Et voilà, j'avais un petit carnet avec les autographes des joueurs du PSG parce que j'allais les voir au camp des loges. Et entre ces feuilles, j'écrivais « j'en peux plus, il faut que ça cesse, je vais faire que tout s'arrête ». Et j'ai pensé tellement de fois à me suicider. Et à chaque fois, j'arrachais la feuille et je disais « non, il ne faut pas que ma mère, complètement maniaque, qui fouille notre chambre toutes les 2 secondes, tombe dessus ». Donc j'arrachais la feuille et je la dépiautais en petits morceaux et je les jetais dans toutes les poubelles du trajet qui m'emmenait au collège. Il y avait 867 pas. Parce que j'ai développé un toc de comptage où, pour me rassurer, je compte tout le temps. Aujourd'hui, je compte le nombre de coups de raclette que je mets dans la douche, c'est 9, le 17 expirations sur 100 mètres de footing. Enfin, c'est quelque chose voilà, qui m'a permis de me raccrocher à ce que je pouvais maîtriser parce que je ne maîtrisais plus rien. Et en fait, je suis partie à la Baule au mois de juillet. Donc, c'était finalement
Il, lui, est originaire de la Baule. Et en fin de compte, j'ai appris au cours du procès que c'était un petit peu son mécanisme, parce qu'à chaque fois, il a amené ses victimes à la Baule, loin de chez elles, complètement déracinées, pour passer à des stades supérieurs, entre guillemets. Alors, moi, pendant ces 15 jours-là, ça a été les 15 pires jours de ma vie. Il m'a violée 3 fois par jour. Et le premier soir, il m'a demandé d'aller dans sa chambre, et j'y suis pas allée. Et donc, il est venu dans la mienne. Et ça a été pire parce que j'étais prisonnière, je ne pouvais pas partir quand je voulais. Et après, j'étais obligée de rester dans l'endroit où ça s'était passé. Et pour moi, c'était vraiment... je me sentais tellement sale. Et donc, les soirs d'après, ça paraît fou, mais j'y suis allée de moi-même. Et j'ai fait ces 13 pas qui me séparaient de sa chambre pour aller me faire violer. Et c'est l'année où le Concorde s'est écrasé. Fin juillet, et je me disais, c'est marrant, moi aussi, je suis en train de m'écraser. Et je n'avais pas encore mes règles, et j'ai eu mes règles le 5 août suivant, en Espagne, en vacances. Et il est venu en vacances, sur mon lieu de vacances, pour ne pas me laisser respirer. Il avait dit à mes parents que c'était une surprise, et il est venu avec sa petite copine, parce qu'il avait une copine de son âge. Et... ma mère lui a dit, innocemment, parce que ma mère, c'est un peu une enfant, et puis elle lui a dit aussi peut-être l'air de dire, elle est en train de grandir, physiquement, elle va peut-être changer. Mais elle lui a dit que j'avais eu mes règles, et lui, quelques jours plus tard, dans l'eau, il m'a dit, ah, c'est bien, tu deviens plus grande, je vais pouvoir faire plus de choses, mais il va falloir que je fasse gaffe. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire de plus? Et en fin de compte, malheureusement, pas pour moi, mais pour les autres, il a fait tellement pire. En termes sexuels, c'est-à-dire que moi, moi je me suis pas fait sodomiser, moi il m'a pas mis de cuillère en bois dans le vagin, moi il m'a pas laissé nu dans la forêt plusieurs heures, des choses qu'ont pu vivre certaines de mes co-victimes. Donc quelque part, je suis plutôt chanceuse de ce côté-là. Mais par contre, psychologiquement, ça m'a détruite aussi parce que il disait des choses. Il me disait qu'il avait le sida et qu'il me l'avait donné. Et à la fin des années 90, ça faisait un petit peu plus peur que maintenant. Et moi, j'ai vécu entre 13 et 18 ans en pensant que j'avais le sida. Et quand j'ai eu mon permis, et je suis allée toute seule chez le médecin pour la première fois parce que j'avais une maman très mère poule qui m'accompagnait jusqu'à mes 18 ans chez le médecin. Et j'avais demandé s'il pouvait me faire des analyses parce que j'étais un peu fatiguée avec tout le sport, les études. Et donc, il a dit, oui, je vous fais le fer, les vitamines, etc. Et je lui ai dit, oh, vous pouvez aussi me mettre le HIV à tout hasard. Et moi, j'étais persuadée que je l'avais. Et je me souviendrai toujours devant cette pancarte marquée parking réservé à la clientèle dans ma Seat Ibiza que mes grands-parents m'avaient offert. J'ouvre le papier et c'est marqué négatif. Et en fait, non, je n'avais pas le sida et lui, il ne l'a jamais eu. Et il l'a fait croire à chacune de nous. Donc, il disait qu'il allait tuer mes parents, comme ça au moins il pourrait être tranquille avec moi. Il me disait, s'il te reste une semaine à vivre, qu'est-ce que tu fais? Je disais, je ne sais pas, je passe du temps avec ma famille. Il me dit, moi, je vais acheter une arme et je tire sur tout le monde. Enfin, c'était tellement de violence. Il a déjà frappé des gens qui, soi-disant, me regardaient dans la voiture, enfin, un poids lourd, sur l'A86. Il y avait trop de monde à Nanterre, on était en bouchon. Et il est sorti de la voiture avec une batte de baseball et il a dit qu'il allait lui casser la gueule parce qu'il est en train de regarder mes jambes, alors que pas du tout. Il conduisait qu'avec les genoux, il se droguait, il me laissait à la cité Pablo Picasso pour aller s'acheter sa drogue. Et moi, j'étais tétanisée dans la voiture et je regardais les rétroviseurs sans arrêt pour savoir si quelqu'un allait me kidnapper ou j'en sais rien, de quoi j'avais peur, mais j'étais terrifiée. Et en fait, j'ai essayé la deuxième année de m'en sortir en essayant d'aller le moins souvent possible chez lui. Je demandais à mon père de m'inscrire dans des tournois proches de chez moi. J'ai demandé à m'entraîner plus souvent à la Ligue pour moins m'entraîner avec lui. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à sortir un petit peu de cette emprise. Mais il faut savoir que je m'habillais comme lui, m'achetais les mêmes habits que lui. J'étais son mini-lui, je mettais ma casquette à l'envers comme lui. J'avais des habits qui m'allaient 3 fois trop grands parce qu'il me donnait ses habits. Je mangeais ma pizza comme lui, c'est-à-dire que je ne mangeais plus mes bords de pizza, alors que j'adore la croûte des pizzas. Mais j'étais devenue une marionnette, j'étais son esclave sexuel, il faisait ce qu'il voulait de moi. Et
À chaque fois, je me disais, j'avais la peur au ventre en me disant, je peux mourir dans l'heure qui suit. J'ai ce sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et je vais mieux que depuis janvier. Janvier, j'ai décidé d'aller voir un psychiatre pour la première fois. Et ça va quand même beaucoup mieux. Mais voilà, le jour de mes 14 ans, ma mère m'a offert un nouveau téléphone, un 3310 bleu ciel Nokia avec le jeu du serpent. Pour ceux qui sont de ma génération, c'était une passion. Et je me suis promis de jamais répondre à son numéro de téléphone 06 09 40 11 88. C'est un numéro, j'irai dans ma tombe avec. Des fois, je donne son numéro à la place du mien. Et j'ai réussi à plus jamais répondre. Et il a essayé pendant 15 jours de m'appeler. Et quand il a vu que je ne répondais plus, il est passé à autre chose. Et il a pris une autre victime. Et elle s'appelait Astrid. Et je la connaissais. Et ça s'est fait sous mes yeux. Et le plus dur pour moi à vivre, c'est de me dire que je ne les ai pas sauvés. C'est que j'ai dû faire le choix à 12 ans de sauver ma famille et de ne pas les sauver elles. Et que si j'avais parlé, il n'y aurait pas eu les autres victimes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, vraiment. Elle me dit sans arrêt, tu avais 12 ans, ce n'était pas un choix à faire, tu ne pouvais rien faire, ce n'était pas à toi de le faire, mais... Il n'empêche qu'aujourd'hui, j'essaye de faire le bien, d'être prof de PS pour essayer d'être une adulte qui porte les enfants à s'élever sans être manipulée, sans être sous emprise. Et j'espère que le jour où je mourrai, j'aurai fait plus de bien que le fait de ne pas les avoir sauvés, que ça me soulagera un petit peu. Et surtout, je remercie quand même tous les jours en me levant la petite fille de 12 ans que j'étais d'avoir choisi la vie et de m'avoir permis de rencontrer ma femme et d'avoir un fils. Elle a été très forte, la petite de 12 ans que j'étais. Et je suis un petit peu morte à 12 ans, mais c'est un petit peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Merci, merci, merci très sincèrement pour ce très beau témoignage. Beau, parce qu'il vient de vous, hein, j'entends. C'est assez bouleversant. C'est en tout cas... c'est un témoignage qui certainement aussi nous motive à avancer aussi dans cette commission enquête et qui fera que on le souhaite que ça ne se reproduise plus jamais. Que vous, petite fille, que vous étiez à 12 ans, eh bien, vous auriez eu le droit à une autre enfance, très certainement. Et donc, du fond du cœur, moi, je vous remercie. Merci d'avoir beaucoup. Ce courage, attention, ce courage de venir nous voir. Merci voilà. Beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à parler. À vrai dire, je ne l'aurais peut-être jamais fait si Astrid, en question, ne m'avait pas appelée à 27 ans. En me disant, je suis à 4 jours de la prescription, moi, il m'a violée, et avec une autre victime, on pense que toi aussi, est-ce que c'est le cas? Et j'en avais jamais parlé, à part à mes petites amies, parce que je ne supporte pas la pénétration, parce que je ne peux pas faire un frottis chez le gynéco, j'ai ce qu'on appelle un vaginisme sévère. Donc j'étais bien obligée quand même d'en parler à mes petites amies, mais je leur disais, je me suis fait agresser quand j'étais jeune et j'arrivais même pas à mettre le mot viol dessus. Et à 27 ans, je leur ai dit oui, moi aussi, mais je sais pas si je suis prête, je sais pas si je peux le dire à mes parents, je sais pas si je peux changer comme ça ma vie. Et donc j'ai mis 3 mois à réfléchir et je me suis dit, si, c'est soit tu y vas maintenant, soit tu y vas jamais. Et je pensais qu'avec moi, elles auraient plus de chances d'être entendues. Parce que c'est terrible, mais elles avaient entre 15 et 18 ans et j'avais peur qu'on puisse penser qu'elles pouvaient être consentantes parce qu'elles avaient 16 ans. Parce qu'en fait, dans le milieu du tennis, ça se savait qu'il n'était pas correct avec les filles, les jeunes filles. Je ne parle pas de moi parce que pour moi, ça ne s'est pas su. Mais pour les autres, il y en avait toujours qui disaient « oui, il est avec, il sort avec ». Mais enfin, quand on a 38 ans, on ne sort pas avec une jeune de 15 ans. Encore moins quand on l'entraîne. Enfin, c'est là il y a une méconnaissance de la loi quand on a autorité sur quelqu'un, sur un mineur. Enfin, ça paraît fou parce qu'on a laissé faire des choses dans le milieu du sport qu'on transposerait dans un autre milieu. On dirait ça ne peut pas arriver. Enfin,
jamais on dirait « oui, elle sort avec son prof de maths ». Enfin, ça paraît fou, mais c'est la même chose. L'autorité est exactement la même, si ce n'est que c'est encore pire, parce qu'ils nous voient en dehors d'un cadre institutionnel où on vous voit l'enseignant, où on est plusieurs, on est rarement seul face à un enseignant, alors que là, on passe notre temps seul avec l'entraîneur. On partage un quotidien de tournois, de repas. On partage nos doutes, on partage nos histoires qui peuvent se passer au collège. Et donc, ça a tendance... Un jeune, il peut vite confondre les frontières parce qu'il n'est pas du tout armé. Ce n'est pas à lui de mettre les barrières. Et donc, j'ai parlé à 27 ans, mais ça a été compliqué parce que voilà, ça a été très dur pour mes parents. Ma mère est tombée en dépression. Elle a été hospitalisée en hôpital psychiatrique. Ils n'ont pas pu être là pour moi. J'ai essayé d'être là pour eux pendant 2 ans et c'était trop dur. Donc j'ai dû arrêter de les voir et de leur parler pendant plus de 2 ans. Et quelque part, on m'a volé plein de pans de ma vie. C'est-à-dire qu'on m'a volé peut-être ma carrière que j'aurais pu avoir, parce qu'après, j'ai fait toujours des choix qui allaient m'amener à ne pas me retrouver seule avec un adulte qui avait une autorité sur moi. Donc j'ai refusé d'aller au centre national d'entraînement à 14 ans, à Roland-Garros, parce que j'avais peur de me retrouver dans la même situation. Et j'ai eu mon bac à 16 ans. À 16 ans, on m'a proposé les meilleures universités à la fac américaine, parce que j'avais des très bons résultats à l'école, que j'avais eu le bac avec mention très bien, et que j'avais des années d'avance, et que j'étais dans les meilleures françaises. Donc on m'a proposé des bonnes universités, et c'est terrible parce que j'ai dit non, parce que j'avais peur d'être loin. Et donc, je suis partie à la fac, à Paris 5, voilà, Porte de Versailles. Et j'ai fait 3 masters et en même temps, j'ai passé mon BE1, mon BE2. J'ai fait plein d'études en même temps. Mais quelque part, peut-être que ce n'était pas ça qui m'était destiné à la base. Et lui, il disait toujours, plus tard, tu feras Sciences Po. Et du coup, je n'ai pas fait Sciences Po parce que je ne voulais pas faire ce que lui voulait que je fasse. Et les 3 autres ont fait Sciences Po. Donc c'est quand même... Parce qu'elles l'ont rencontré aussi entre 15 et 18 ans, donc c'était au moment où elles avaient ce choix à faire. Et moi, j'ai eu tout le temps du lycée pour me séparer de ça. Mais quelque part, c'est aussi un deuil, parce qu'aujourd'hui, intellectuellement, je ne m'épanouis pas professionnellement. J'adore les enfants et je fais ça pour eux. Heureusement qu'ils sont là. Mais je trouve que je ne réfléchis pas assez dans mon quotidien. Et bon, c'est, voilà, mais après, j'ai que 36 ans, je me dis que peut-être que la vie est encore longue. Et voilà, que j'ai plus mes règles du jour au lendemain quand j'ai déposé plainte. Et j'ai perdu 25 kilos, j'en ai repris 30, j'en ai perdu 20, j'en ai repris 35. En fait, j'avais des crises de boulimie terribles. Comme j'ai peur de me faire vomir, c'est ma phobie avec les oiseaux, du coup, je me faisais jamais vomir. Et après, quand j'étais dans ma phase où je contrôle tout, je retirais une pâte crue de ma balance si ça ne faisait pas pile ce que j'avais prévu de manger, les 60 grammes de pâte crue. J'allais courir 2 heures tous les jours. Je courais 150 km par semaine. Enfin, je pense que je courais pour fuir mon passé et en même temps pour essayer de courir après mon futur. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose un peu d'imagé derrière tout ça. Bon, en tout cas, ça me faisait du bien de me dépenser et de penser à autre chose. Et j'ai eu un zona la première fois que j'ai eu une confrontation avec lui, avec le juge d'instruction. Et pendant les procès, j'ai saigné du nez 10 fois par jour. Donc ça a été quand même très éprouvant. Mais ce qui est important, et en fait, quand on le vit, l'instruction, on se dit c'est tellement long, on voudrait tellement que ça aille beaucoup plus vite. Mais en fait, c'est tellement nécessaire. En 2014, quand j'ai déposé plainte, s'il y avait eu le procès 6 mois plus tard, j'aurais été incapable d'être aussi claire, je pense. Et il faut ce temps, qui est le temps de la justice. Et parfois, les victimes voudraient que ça aille beaucoup plus vite, mais c'est nécessaire, ça prend beaucoup de temps à digérer tout ça, et que la famille, les amis digèrent tout ça, que la société aussi, parce que le regard de la société change. Je suis passée d'une joueuse de tennis et entraîneur de tennis à la fille qui s'est fait violer. Et je ne suis pas que ça, mais il faut assumer quand même cette image. Et moi, j'étais encore dans le milieu du tennis, ce qui n'était pas le cas des 3 autres. Donc ça a peut-être été aussi un frein au fait que ce n'est pas moi qui ai parlé la première, parce qu'il y a tout de même, du moins en 2014, il y avait encore une omerta sur ce sujet-là.
Et ça se savait qu'il y avait plein d'entraîneurs qui avaient eu des relations sexuelles non consenties avec des mineurs. Mais on fermait les yeux, on disait que ce n'était pas à nous de régler ça, que ça ne nous regardait pas. Et pour ma part, il y a une fois où j'ai été enfermée dans le local de balle au sous-sol du club. Et c'était pendant ma semaine de stage, d'entreprise de troisième. Il m'avait demandé pour passer une semaine que je choisisse mon stage chez lui. Moi, je voulais faire mon stage à l'Assemblée nationale. Donc, j'avais passé ma semaine à voir comment se passait la vie d'un club que je connaissais par cœur. Hein, mais, donc, j'étais enfermée dans ce fameux local et il m'avait demandé une fellation. Et il y a le barman du club qui était descendu à ce moment-là, qui avait essayé d'ouvrir la porte et il n'avait pas réussi. Il avait dit « il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ». Et lui m'avait mis la main sur la bouche, je n'avais pas parlé. Et il était remonté. Et 15 minutes après, mon entraîneur, Andrew Guedes, était remonté. Et moi, encore 5 minutes après, avec les yeux rouges, et il ne m'a pas posé la question. Il ne m'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé, où tu étais. On était 3 dans le club, lui, l'entraîneur et moi. Moi, ça me paraît totalement fou de me dire aujourd'hui que ça puisse se passer et qu'un adulte ne prenne pas la responsabilité d'alerter le président du club, la Ligue et même le procureur. Enfin, je pense qu'il y avait quand même... je ne sais pas si c'était une méconnaissance de la non-assistance ou... Mais on laissait, on préférait fermer les yeux. Et ça, c'est terrible parce que les enfants, ils ne peuvent pas se sauver seuls. Donc moi, je me disais aussi, si les gens ferment les yeux, c'est peut-être parce que c'est normal. Alors moi, je ne trouvais pas ça normal, mais finalement, qui pose la norme, qui pose les valeurs, c'est les adultes. Donc il se passait plein de choses dans le club qui auraient dû être normalement prises en compte. Enfin, un entraîneur, il n'insulte pas ses élèves, ça n'arrive pas. Et là, ça arrivait tous les jours sur les terrains de tennis. C'était tous les jours qu'il disait au petit gamin de 10 ans, t'es qu'un PD, tapette, tu vas pas t'en sortir. Des trucs totalement fous. J'ai une bite tellement longue qu'on pourrait m'en faire une écharpe. Enfin, ça paraît fou. Mais c'était notre quotidien et on vivait dans ça. Et on ne peut pas tolérer... Enfin, si on le transpose ailleurs, à l'école ou dans la musique, enfin, on a tendance à être beaucoup plus permissif quand c'est dans le milieu sportif. Et j'en ai encore parlé la semaine dernière avec une maman où son fils fait du rugby. Et elle me dit « Oh, tu sais, le milieu du rugby, c'est comme ça. » Mais non, ce n'est pas comme ça. Enfin, y a aucun milieu de la société où on peut insulter et humilier un enfant. Ça n'existe pas. Et je pense qu'il y a une grande éducation encore à faire du monde entier, hein, des adultes, des jeunes aussi, mais aussi des adultes, de se dire qu'il n'y a aucun lieu où on peut se permettre de rabaisser un jeune. Et qu'en plus, c'est totalement contre-productif, hein, ça n'a jamais aidé personne à être plus performant. Donc voilà. Moi, il avait par exemple rasé un élève dans le clubhouse parce que lui était chauve. Et donc, il avait rasé un élève de 14 ans et personne n'avait rien dit. Enfin, il n'était pas coiffeur. Enfin, je veux dire, il y a peu de lieux dans le monde. Il y en a eu par le passé, dans l'histoire, des choses qui se sont passées comme ça. Et aujourd'hui, on fait tout pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et là, c'est exactement la même chose. On ne peut pas permettre des choses comme ça. Il m'a fait boire de l'alcool. Enfin, c'est finalement presque plus que les violences sexuelles. C'est ça qui, je pense, qui m'a le plus détruit. C'est le fait de m'avoir, pendant un moment, flouté mes valeurs. Il me faisait tricher sur le terrain et ça me rendait folle. Et mon père était policier, il avait un sens de la justice très exacerbé. Et donc, ça le rendait fou et donc ça le mettait en opposition avec lui. Et moi, si je trichais pas, il m'abandonnait sur le terrain. Il partait avec sa voiture et j'étais au fin fond des Yvelines, sur un parking de nuit. Et il revenait une demi-heure après, et donc la fois d'après, si la balle elle était sur la ligne et qu'il me regardait avec des mauvais yeux, je disais qu'elle était faute. Et ça me bouffait tellement intérieurement, parce que j'ai mis des années à me racheter auprès des autres joueuses, et que ça a aussi participé au fait que j'étais seule, parce que du coup, il y a des joueuses qui ne voulaient plus me parler parce que j'avais pas un bon comportement sur le court. Et je m'énervais beaucoup, je pleurais beaucoup sur le court. Et tout ça, ça n'a pas alerté les fédérations, enfin, la fédération et les entraîneurs et les présidents, alors que ça fait partie des... Vous avez entendu, vous allez entendre plein de psychologues, voilà, et ils vous diront tous les symptômes. Ce n'est pas un symptôme isolé qui fait qu'on peut dire qu'un enfant est victime de violences sexuelles, mais plein mis bout à bout. Et me concernant, il y avait quand même plein de signes.
je surinvestissais l'école, j'étais totalement esselée, je m'énervais très facilement sur un terrain de tennis à pleurer sans arrêt parce que c'était un lieu de souffrance. Et aujourd'hui, je ne joue plus au tennis parce que je n'arrive pas à jouer une heure sans penser à ça. Et mon objectif, c'est de me dire que le jour où j'arriverai à retourner sur un terrain de tennis et passer une heure en m'amusant sans y penser, j'aurai beaucoup avancé de ce côté-là. Aujourd'hui, je fais du padel. En plus, c'est à la mode. Donc voilà, et ça me rappelle un peu le tennis, mais comme j'ai pas de mauvais souvenirs sur ce petit terrain en moquette avec des vitres, et ben j'y pense jamais. Ouais. Et ça paraît fou que juste un environnement me permette de pas y penser, alors que l'expert psychiatre après les procès a dit que j'étais reconnue 35% en c'est pas invalidité, mais en permanent de séquelles. Je lui ai demandé, ça veut dire quoi, 35%? Il me dit, bah, c'est comme si 35% de votre vie était dictée par ce qui vous est arrivé. Et sur 24 heures, ça fait 8 heures. Alors bon, il y a l'heure où on dort, on va peut-être... Mais l'heure où on dort, en fait, si, j'en ai pas parlé, mais en fait... Oui, je vous ai pas du tout parlé de tous les traumatismes, mais j'ai eu beaucoup d'insomnie, beaucoup de cauchemars. Encore aujourd'hui, j'en fais toutes les semaines ou toutes les nuits. J'ai de l'hypervigilance, c'est-à-dire que la nuit je dors, mais en fait je pense que je dors sans dormir. Si mon fils il se retourne dans son lit, la chambre à côté, je vais savoir qu'il s'est retourné, parce que je pense que je suis dans une situation où il faut toujours que je vois par où je pourrais m'échapper. Enfin, et j'avais des problèmes avec la nourriture, mais ça va quand même mieux. J'ai des problèmes avec ma vie sexuelle. Voilà, avant ça, je supportais pas la pénétration et j'avais tendance à prendre aucune initiative parce que j'ai peur de forcer l'autre à faire quelque chose. Alors, c'est problématique parce que mes partenaires, elles sont consentantes, mais je prends aucune initiative. Aussi, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Alors, j'en ai parlé avec le psychiatre. On ne sait pas si c'est, enfin, je ne sais pas, il ne sait pas. Si c'est parce que j'ai été violée et que j'ai la peur des hommes, ou si juste j'aurais été homosexuelle. Selon lui, non, parce qu'avant ça, j'avais des petits copains. Je pense que très certainement, j'aurais été bisexuelle parce que je m'en fiche un peu, j'aime une personne. Mais j'ai eu peur jusqu'à très récemment des hommes. D'ailleurs, ça ne me fait pas peur de parler devant vous tous, mais par contre, si je me retrouve dans un ascenseur avec un homme, je ne serais pas très à l'aise. Et... voilà, quel autre traumatisme j'ai. Je supporte pas l'abandon. Donc jusqu'à récemment, je pouvais pas rester seule, toute seule chez moi ou toute seule avec mon fils. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un. Voilà, depuis que je vais voir le psychiatre, ça va mieux. Je rêve qu'il me pourchasse et que j'arrive pas à courir comme si j'étais dans un escalator en marche arrière. Et donc, il finit par me rattraper. Et au moment où il va pour me rattraper, soit je lui fais face et je le tue, soit je me dis, mais elle est où ma sœur? Elle a disparu. Et ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, j'avais tellement peur qu'il se passe ça avec ma petite sœur, qui était aussi entraînée par lui, qui avait 10 ans, qu'inconsciemment, je me suis aussi laissée être victime aussi longtemps parce que je voulais pas qu'elle puisse le devenir. Et ça a été assez difficile parce que j'aurais aimé à 27 ans qu'elle comprenne, et ça a été trop dur pour elle, ça a été une trop grosse gifle et elle a préféré s'éloigner. C'est pas du déni, mais se dire, elle m'a dit la semaine dernière, pour vous dire à quel point c'est récent, j'ai perdu ma sœur à 10 ans. Et c'est dur parce qu'on avait une belle relation, on était complices, j'étais vraiment une grande sœur qui l'emmenait partout. Et en fait, à 12 ans, j'ai pu parler à personne, je suis restée cloîtrée dans ma chambre. La dernière chose que je devais faire le soir, c'était lui écrire un texto. Et la première chose que je devais faire le matin, c'était lui réécrire un texto. Donc à quel point il y avait une possession mentale, j'avais pas un centimètre d'espace de liberté. Ma sœur en a beaucoup souffert parce qu'elle a cru que je l'avais abandonnée. Et je suis partie de chez moi à 16 ans. Aussi parce que j'ai fui ce lieu où ça s'était passé. C'est vrai, j'ai voulu essayer d'avancer et elle, en voulant la protéger, je l'ai abandonnée en quelque sorte et elle l'a très mal vécu. Et une fois, on était chez lui et il dit « Tu viens, on va chercher McDo » et moi, je ne veux pas y aller parce que je sais ce qui va se passer. Et du coup, il me regarde et il dit « Steph, tu viens avec moi ?»
en regardant ma petite sœur. Après, j'ai tellement eu peur avec son regard que j'ai dit, bah non, j'y vais, je viens. Et ce jour-là, il m'avait demandé une fellation et quelque part, je me suis sacrifiée pour ma sœur. Et c'est dur de me dire qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à... Elle me dit qu'elle a une dette trop énorme envers moi, qu'elle ne peut pas dépasser ça. Donc, on n'arrive pas à avoir de relation, elle et moi, alors qu'elle est prof de PS, comme moi, elle fait du tennis. Enfin, on pourrait être tellement proches. Et puis, en fait, ça nous a totalement séparés. Donc, voilà. Et je suis partie vivre dans le sud-ouest parce que je n'arrivais plus à vivre en Île-de-France. Il y avait trop de gens que j'avais connus à ce moment-là. Il y avait trop de lieux qui étaient les lieux que je fréquentais. Et puis, avant que je dépose plainte, j'ai continué à le croiser régulièrement. Et même si lui a toujours baissé les yeux, après ça, il a toujours eu peur de moi, alors qu'il n'a pas eu peur des autres. Et ça, c'est encore une fois, au cours d'assises, au cours des procès, c'était le cas. Il avait vraiment peur de moi et pas des autres. Mais je pense que c'est l'âge qui... son avocat a dit, bon, bah, c'est pas défendable, on ne sait pas comment on va défendre. Elle avait 12 ans, elle ne demandait pas ça... C'était un petit garçon avec une casquette à l'envers, parce que je n'étais pas du tout féminine. Bon, je ne le suis pas beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Aujourd'hui, je ne lui en veux plus. C'est déjà un énorme pas. Et j'espère juste que toutes les années qu'il va passer en prison, parce que j'ai conscience aussi que 18 ans, c'est une énorme peine. Et j'ai conscience de la chance qu'on a eue d'avoir une justice comme ça, et que c'est vraiment rare, c'est pas souvent le cas, il y a très peu de victimes mineures qui arrivent à se faire reconnaître victimes, et donc on a eu cette chance, et j'espère que tout ce temps lui permettra de prendre conscience de ce qu'il a fait. Et moi, j'ai toujours cette peur, parce que au moment, juste avant le verdict, il a dit, de toute façon, je sais que je vais retourner en prison, et pour longtemps, et quand je sortirai, je partirai en Australie et j'irai entraîner. Et je me dis, bon, bah là, à ce moment-là, il n'avait pas encore du tout assez de recul, entre 2014 et 2020. Donc voilà. Après ce témoignage avec une telle sincérité, je vais, moi, je n'ai pas de questions sur le témoignage. Je vais laisser la parole à Madame la rapporteure. Alors, merci vraiment beaucoup pour le courage de ce témoignage. Je m'associe complètement à Madame la Présidente, pour vraiment le courage de vous faire preuve aujourd'hui, et j'imagine ce que ça a pu être aussi au moment du procès. Alors, comme vous le savez, la création de cette commission d'enquête était aussi dans le but de déterminer en fait les dysfonctionnements ou les défaillances au sein des fédérations, notamment en ce qui concerne les VSS, mais d'autres aussi faits de violence, comme vous avez pu d'ailleurs en témoigner aujourd'hui, que ce soit par la parole, les violences physiques ou discrimination ou autres. Et c'est vrai qu'on retrouve chez plusieurs victimes un schéma assez similaire, c'est-à-dire déjà l'isolement avec l'entraîneur, le fait qu'il y ait vraiment une relation très poussée entre l'entraîneur finalement et les jeunes qu'on entraîne, cette responsabilité très jeune finalement des jeunes sportifs, cette responsabilité vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la performance sportive, vis-à-vis de son entraîneur, de son club. Et tout ça, on le retrouve, c'est vraiment, en tout cas depuis qu'on a lancé la commission d'enquête et tous les témoignages qu'on a eus, on retrouve ce schéma. Et malheureusement, j'ai pas le sentiment, en tout cas, même si la parole s'est libérée et qu'on a le sentiment que l'omerta a été un peu levée, on a quand même le sentiment que ça perdure au sein de ces fédérations et de ces clubs. Et d'ailleurs, plusieurs personnes nous ont rapporté le fait qu'elles avaient peur de témoigner ou de parler, puisqu'elles risquaient d'être mises à l'écart, sanctionnées, ne plus pouvoir participer à des compétitions, quel que soit, que ce soit sportif, dirigeant, entraîneur ou tout l'écosystème finalement autour de ces fédérations. Moi, j'ai une question vraiment sur la Fédération française de tennis qui s'est constituée partie civile au moment du procès, donc contre votre ancien entraîneur. Et le premier dysfonctionnement concerne d'abord votre ancien club où régnait l'omerta, vous l'avez dit à demi-mot, mais alors que beaucoup de personnes semblaient avoir des soupçons, en tout cas semblaient savoir qu'il avait un comportement inapproprié. Et les bonnes performances du club semblent avoir poussé certains à fermer les yeux. Est-ce que vous nous le confirmez aujourd'hui ? Ah, ouais. Oui, c'est vrai. Apparemment, il y a une seule dame, au cours du procès, ça a été dit par l'enquêtrice,
qui avait été voir le président du club en disant qu'il avait un comportement inapproprié envers les jeunes, avec violence verbale, physique, et un comportement ambigu avec certaines joueuses. Et le président lui avait répondu « Oui, mais il nous ramène des titres ». Et ça fait écho à une phrase de Madame Oudéa Castéra pendant le colloque, où elle a dit « Aucune médaille ne vaut un sacrifice tel ». Et c'est vrai que, de une, c'était faux, parce qu'en en fait, il entraînait les meilleurs joueurs, donc forcément, ils avaient des titres. Je veux dire, c'était pas un bon entraîneur, en plus. C'est-à-dire que parfois, il y a des très bons entraîneurs qui sont aussi des pédocriminels, mais là, en l'occurrence, c'était même pas un bon entraîneur. En revanche, c'était un entraîneur qui consacrait énormément de temps. Et ça, dans la vie d'un sportif, ben, c'est sûr que ça demande un tel engagement pour les familles, comme vous l'avez dit, tant en termes de temps qu'en termes financiers, qu'un entraîneur qui est disponible le soir, les week-ends, qui compte pas ses heures, qui fait des entraînements entre guillemets gratuitement, etc., ben, forcément, ça va aider à avoir des résultats. Mais c'était pas un bon entraîneur. Et oui, les gens disaient que c'était sa méthode, que c'était comme ça, qu'il était dur, mais qu'il poussait les gens à faire du mieux possible. Enfin, on peut aider les jeunes à tirer le meilleur d'eux-mêmes sans pour autant les forcer à faire des choses qu'ils sont pas prêts à accepter. Et la frontière est parfois pas facile, mais c'est tout l'enjeu d'un, et c'est pour ça aussi que les éducateurs et entraîneurs doivent être formés. Et aujourd'hui, voilà, il y a des, au sein de leur formation, ils ont des UE sur ça, qui n'était pas trop le cas avant, alors que ça paraît être quand même la base. Avant d'être un entraîneur de tennis, on est un éducateur, et donc on doit savoir quelles sont les valeurs, quelle est la psychologie de l'enfant, quelles sont les méthodes de, enfin, moi ça me paraît plus essentiel que de savoir techniquement comment on fait un coup droit. Parce que quand on laisse un enfant aller dans un club de tennis ou autre, la première des choses, c'est qu'on doit garantir son intégrité physique et morale, et comme l'école. Et à partir du moment où on laisse son enfant à un endroit où il peut lui arriver quelque chose, moi, je préfère que mon enfant il reste nul au tennis et qu'il ne lui arrive jamais rien. Donc ça, c'est la première chose. Après, la Fédération française de tennis, comme c'est celle que je connais le mieux, je vais en parler. Depuis notre affaire, effectivement, elle fait beaucoup dans ce domaine-là. Avec notre association Rebond, effectivement, où on est partenaire. On fait des sensibilisations auprès de toutes les ligues, aux présidents des ligues, aux comités des ligues, aux entraîneurs, aux équipes techniques régionales, etc. Et aussi au sein des tournois jeunes nationaux, où je fais une sensibilisation aux jeunes sur... qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est une relation saine. Excusez-moi, je voudrais juste vous interrompre sur ce sujet, parce que, en collaboration avec d'anciennes victimes de votre bourreau, vous avez créé cette association Rebond, qui œuvre à prévenir, en tout cas, toutes les violences, tout type de violences auprès de mineurs, c'est bien cela. Donc, je voulais savoir où était domiciliée votre association, comment elle s'organisait, comment elle s'animait sur le terrain. Votre association, j'imagine que vous avez des bénévoles, mais vous avez aussi des salariés, peut-être. Alors donc, non, on n'a pas assez de subventions, justement, pour avoir des salariés. Voilà. C'est intéressant que vous puissiez... En tout cas, vous êtes là aussi pour nous présenter votre association. Et je vous remercie de nous en parler, pour que nous puissions la connaître davantage. Alors, donc, c'est un petit peu comme Colosse au pied d'argile, sauf qu'eux, ils ont bien progressé. Nous, on est encore au début par rapport à eux, mais l'objectif est le même. Effectivement, il y a un volet prévention et sensibilisation auprès des différents publics, que ce soit dirigeants, entraîneurs, parents et enfants. Et ensuite, dans toutes les strates de la fédération, donc ça va du CNE, donc du Centre National d'Entraînement, jusqu'au tout petit club d'une campagne. Et ensuite, on fait aussi de l'aide et soutien aux victimes. Donc on a plusieurs victimes, dont certaines ont été pas mal médiatisées l'an dernier, qui sont dans l'association et qu'on a aidé dans ce chemin qui est justement la procédure. Quand on se lance dans une procédure, on n'a pas du tout idée de ce que ça va représenter sur différents plans. Moi, je ne pensais pas que ça serait médiatisé. Au début, je n'étais pas du tout prête à ça. Ensuite, je venais d'acheter un appartement et je ne pensais pas que ça allait me coûter 600 euros par mois de frais d'avocat. Et heureusement que la Fédération française de tennis a été là pour nous faire des subventions et nous aider à régler nos frais d'avocat, parce que voilà, j'en ai eu pour 60 000 euros de frais d'avocat et bah, je gagnais 1 800 euros par mois en étant prof et ça allait être très compliqué. Donc, heureusement qu'ils nous ont aidés.
Et je sais que ce n'est pas toujours local, toutes les fédérations ne sont pas toujours partie civile, et nous, c'était la première fois que la Fédération française de tennis l'était. Et pour parler avec la déléguée juridique de la fédération très régulièrement, puisque c'est avec elle que j'interviens sur les différentes actions, je lui ai dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une machine arrière et il faut que maintenant ça soit systématique, que la fédération soit toujours partie civile. Mais ça leur coûte aussi beaucoup d'argent, parce que ça leur demande aussi un avocat. Donc la Fédération française de tennis a décidé de faire appel à un assureur. Et en fait, il y a 2 euros de plus dans la licence. Et je ne suis pas sûre du chiffre. Mais je crois, enfin, en tout cas, il y a une part de la licence qui a légèrement augmenté pour pouvoir justement aider les victimes qui déposent plainte à payer leurs frais d'avocat. C'est l'assurance qui prend en charge. Alors évidemment, il y a des critères, puisque c'est une assurance, ils ne sont pas philanthropiques. Donc il faut que ça soit dans les 5 ans. Alors on sait que les personnes parlent généralement beaucoup plus tard que ça, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et il faut que la personne ait été licenciée au moment des faits et le soit toujours au moment du dépôt de plainte. Et voilà, il couvre 20 000 euros de frais d'avocat, l'assurance. Donc c'est déjà une super belle avancée qu'a fait la fédération, en espérant qu'ils puissent étendre ça à 10 ans et un peu plus. Ce qu'on voit que Céline Masfar, eh ben, elle a 46 ans et elle a parlé cette semaine. Donc voilà. En fait, ça me fait penser aussi à autre chose. Alors, le délai de prescription a été rallongé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, à mon sens. Et dans certains pays, il n'y a pas de prescription pour les crimes de violence sexuelle sur mineurs. C'est le cas au Luxembourg, c'est le cas au Danemark, aux Pays-Bas, en Suisse. Et en fait, les répercussions, elles sont sur toute une vie. Et parfois, ça nous arrive quand on a 10 ans. Et puis, on a oublié. Il y a des amnésies traumatiques, ça existe. Des gens qui oublient pendant 30, 40 ans. Et puis, tout d'un coup, ils se souviennent. Et il y a des gens qui sont dans le déni, qui se disent « Non, c'était pas du viol. » Et puis, il y a des gens qui disent « Je sais que c'était du viol, mais je préfère pas en parler parce qu'il y a trop d'enjeux. » Et donc, la prise de parole, elle est forcément sur un délai qui, à mon avis, est bien au-delà de encore la prescription aujourd'hui. Et je pense que c'est un crime. Voilà, aujourd'hui, en France, il n'y a que le crime contre l'humanité, hein, il me semble, qui n'a pas de prescription. Et je pense que ça serait quand même un beau message envoyé aux victimes et en même temps une épée de Damoclès qui ne tombera jamais pour les coupables. Parce que nous, finalement, il y a eu des prescriptions dans notre cas. Et si Astrid, elle s'était pas réveillée 4 jours avant, il y aurait eu prescription pour elle et peut-être qu'aucune de nous aurait parlé et puis ça ne serait jamais su. Donc voilà, pour moi, c'est important, c'est une chose que je trouve importante. Après, il y a autre chose aussi, je me dis, pour le après. Alors j'ai conscience qu'à partir du moment où une personne a purgé sa peine, elle retrouve sa liberté, c'est tout l'enjeu de la justice. Mais il y a des pays, encore une fois, comme l'Australie, qui, sur le passeport, c'est écrit quand c'est des prédateurs criminels sur enfants. Et le pays qui les reçoit est en droit de les refuser. Et ils peuvent même, il y a même des personnes en Australie qui ne peuvent pas quitter le territoire pour protéger non pas juste les enfants de leur pays, mais les enfants du monde entier. Je sais que ça pose question. Moi-même, je me pose la question. Je ne dis pas que je voudrais que ça le soit, mais ça me pose question de me dire, est-ce que ça ne serait pas aussi garantir une protection supplémentaire pour les enfants de tout pays, sachant que c'était à l'Assemblée nationale que ça avait été sur une commission où le chiffre était sorti, 37% des prédateurs sexuels sur mineurs recommettent une infraction après avoir purgé une peine. C'est quand même beaucoup. Et c'est 37% où les gens ont reparlé. Mais pour combien de personnes n'ont pas parlé? Et je pense que rien que nous, nous concernant, on était 4 parties civiles, mais en fait, je pense qu'on était plus de 20 victimes. Rien que sur les personnes qui ont témoigné, qui à la fin disent « mais je ne souhaite pas porter plainte » alors que ça relevait du viol, il y en avait déjà 4 ou 5. Certaines où il y avait prescription, certaines qui s'étaient enfuies, d'autres qui n'ont pas été retrouvées. Voilà, on a rendu justice aussi pour toutes les autres. Mais concernant, pour revenir à l'association, parce que je pars un peu... Pour revenir à l'association, donc... On a surtout comme partenaire, là, pour l'instant, la Fédération française de tennis. J'aimerais obtenir l'agrément de l'éducation nationale
pour pouvoir aller dans les collèges, lycées aussi, pour faire des sensibilisations, comme le fait Colosse d'ailleurs. Pour l'instant, on le fait, mais comme on n'a pas l'agrément, ce n'est pas quelque chose d'automatique qui peut être demandé dans un parcours de formation. Ah, vous avez une question. Allez-y. Allez-y. Désolée, je ne voulais pas vous interrompre. Mais en fait, c'est en écoutant et en repensant à la question que je vous ai posée tout à l'heure lorsque vous m'avez dit qu'effectivement, ça avait été signalé auprès du président du club. Est-ce que ce président a été inquiété par la justice du fait d'avoir su des choses, de ne pas être intervenu, de ne pas avoir fait de signalement peut-être plus haut au niveau supérieur? Donc, est-ce qu'il y a eu des plaintes ou quelque chose qui a été fait de ce point de vue-là? Alors, il est décédé avant notre dépôt de plainte, donc on ne saura jamais. Plusieurs personnes ont été très, très mal à l'aise lorsqu'ils ont été appelés à la barre parce qu'ils avaient eu un comportement où, justement, on leur a dit « Mais vous saviez des choses, vous n'avez rien dit ?» Il y en a notamment une qui était prof de PS et qui, par exemple, avait 27 ans à ce moment-là. Et on était partis en tournoi par équipe. Et c'était pas avec moi, c'était avec les prochaines, donc Astrid et Mathilde. Et il avait demandé à dormir avec Astrid dans la chambre et que Mathilde dorme avec un autre accompagnant adulte de 45 ans. Et il y avait donc cet adulte de 45 ans, l'entraîneur, enfin la femme de 27 ans qui était prof de PS, plus d'autres adultes de l'équipe, et personne n'a rien dit. Et personne d'autre n'a été inquiété par la loi dans notre affaire, mais il y a quand même eu beaucoup de manquements. Et c'est... On a quand même permis à des jeunes de 14-15 ans de dormir avec l'entraîneur parce que l'entraîneur l'avait demandé. Enfin, moi, aujourd'hui, ça m'arrive. Je serais dans une équipe où il y a un entraîneur qui demande à dormir avec un mineur, ça serait pas possible. Donc, je trouve ça fou qu'à l'époque... encore une fois, parce qu'il avait une telle emprise, pas seulement sur nous, mais sur le club entier, que les gens avaient peur de lui, en fait, parce que c'était quelqu'un de violent, quelqu'un qui avait assis une autorité. Il était omnipotent dans ce club. Il faisait la pluie et le beau temps, il décidait de tout, on lui laissait tout passer. Et c'est sûr que c'était un terrain favorable pour nous à ces violences. Je voudrais revenir aussi sur ces signalements. Plus de 60% des signalements sur le dispositif Signal Sport du ministère concernent des éducateurs, des sportifs et des bénévoles ou des professionnels. Ce matin, nous étions en audition avec Mme Myriam Salmi, psychologue du sport, que nous avons auditionnée. Elle a souligné donc la nécessité de ne pas laisser des mineurs seuls avec leurs entraîneurs. Ceux-ci étant particulièrement vulnérables, vous l'avez dit également, hein, du fait de leur âge, de la relation particulière qu'ils entretiennent avec lui. Une véritable prise de conscience a émergé au sein de la Fédération française de tennis, ou a-t-elle émergé au sein de la Fédération française de tennis? À votre connaissance, est-ce que des éducateurs et des entraîneurs sont davantage contrôlés? Et selon vous, le respect de l'honorabilité des éducateurs sportifs fonctionne-t-il bien suffisamment? Alors, à l'époque, par exemple, la carte professionnelle, c'était quelque chose qui n'était jamais affiché dans les clubs, à mon époque, quand j'étais jeune. Et même, on ne demandait pas vraiment même les diplômes, c'est-à-dire qu'un entraîneur changeait de club et on ne lui redemandait pas les diplômes ni quoi que ce soit. Donc, en fait, par exemple, nous, il avait menti. Il avait dit qu'il avait le BE2 alors qu'il avait juste le BE1. Alors, il pouvait entraîner, ça ne change pas le fait qu'il était quand même entraîneur, mais le BE2 permet d'accéder à des postes qu'il n'aurait pas dû avoir, voilà, de dirigeant, de directeur sportif dans des gros clubs. Et aujourd'hui, la Fédération française de tennis fait beaucoup plus de contrôle sur ça. D'ailleurs, j'ai reçu moi-même un mail pour dire qu'il fallait que j'ai ma carte professionnelle à jour. Donc oui, maintenant il y a beaucoup plus de contrôle. Ils demandent à ce que ça soit affiché, que ça soit contrôlé, et il y a beaucoup plus de passerelles faites aussi dès qu'il y a des remontées qui sont faites entre le ministère de la Justice et le ministère des Sports. Il y a une collaboration qui est faite qui n'était pas le cas à l'époque. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Après, pour des questions financières, même si c'est demandé maintenant qu'un entraîneur ne dorme pas avec son joueur ou sa joueuse quand il part en déplacement, alors évidemment, il y a des sports qui sont plus ou moins touchés par ce phénomène. Au tennis, c'est un sport où on part beaucoup en tournoi. Donc, on est beaucoup en déplacement avec les entraîneurs. Effectivement, ça représente un coût parce que ça veut dire prendre deux chambres au lieu d'une.
Mais maintenant, c'est ce qui est demandé. Alors, dans les faits, je ne sais pas si c'est toujours respecté, mais avant, ça n'était même pas demandé. Donc, comme ça, voilà. Ensuite, moi, souvent, j'en parle avec la Fédération française de tennis. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y en a encore pas assez. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait plus d'entraîneurs femmes. Pas parce que les femmes ne peuvent pas être des prédatrices sexuelles, hein, c'est déjà arrivé, mais bon, il y a quand même, selon le résultat de la CIVIS, enfin, dans le, il y a 98% des prédateurs qui sont des hommes. Et ensuite, parce que je trouve que de toute façon, c'est bien d'avoir deux entraîneurs, et je préférerais qu'on mette en place des pôles d'entraînement avec deux entraîneurs et quatre joueurs, plutôt qu'un entraîneur avec un joueur. Même au-delà de entre guillemets dérapages, c'est pas des dérapages, mais on va dire ça, qui pourrait y arriver, c'est surtout que c'est aussi, de toute façon, une personne n'a pas bon partout. Je veux dire, même un très bon entraîneur, il peut pas tout apporter. Et moi, je sais qu'en EPS, j'aime bien travailler avec ma collègue, qui pourtant est très différente de moi, mais parce que je pense qu'elle apporte d'autres choses aussi à mes élèves. Et d'avoir deux cadres, deux façons de penser, d'avoir des valeurs communes, mais qui peuvent quand même voilà, être un petit peu différentes, et ben, je pense que ça enrichit dans tous les cas les enfants et les jeunes. Donc je serais plutôt favorable à ce qu'il y ait plus d'entraîneurs pour un petit groupe, et qu'on puisse avoir aussi une émulation entre jeunes de leur âge, qui puissent être avec des pairs, parce que quand on a 12 ans et que tout d'un coup, on ne fréquente plus jamais des enfants de 12 ans, bah, dans sa construction, c'est quand même problématique aussi. Parce qu'avant d'être un joueur de tennis ou un joueur de foot ou peu importe, on reste un jeune. Et donc, c'est plus important de se construire comme ça que de se construire uniquement par rapport à son sport. Déjà parce qu'on n'est pas sûr d'être sportif de haut niveau. Et ensuite, même si on le devient, il y a un après. Et on sait aussi le nombre de dépressions qu'il y a chez les sportifs de niveau qui arrêtent. Donc, parce que tout d'un coup, en fait, ils ont l'impression de perdre leur vie parce que c'était leur unique repère. Et je pense qu'il faut essayer de garder le plus longtemps possible des repères un peu plus classiques, dans le sens où s'ils peuvent rester à l'école, c'est mieux. S'ils peuvent rester dans leur famille, c'est mieux. Et alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, même au sein de la Fédération française de tennis, mais moi, je préfère que les enfants restent s'entraîner proche de chez eux le plus longtemps possible et pas qu'ils partent à 12 ans en Pôle France à Poitiers. Voilà, je préfère qu'ils restent jusqu'à 16 ans entraînés dans leur région. Contrôle de l'honorabilité des éducateurs? Ben ça, je sais pas si ils ont... Alors, il y a un référent dans chaque... Ils sont en train de mettre en place un référent dans chaque comité à la Fédération française de tennis. Donc, qui serait en quelque sorte la personne ressource à aller voir s'il y a une suspicion. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore totalement mis en place. Et surtout, ils n'ont pas été tous formés. Et il faudrait que ça soit le cas dans chaque club, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Il faudrait que dans chaque club, à mon sens, il y ait une personne qui soit formée et sensibilisée à ça et qui soit connue et reconnue de l'ensemble du club, des adhérents, que ce soit aussi bien les parents, les jeunes et les éducateurs, comme étant la personne qui va faire remonter à Signal Sport, qui va être en lien avec différentes associations. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, je ne sais pas, en termes de contrôle d'honorabilité, exactement où elle en est. Si ce n'est que je sais que maintenant, c'est plus systématique qu'il y ait un contrôle des cartes professionnelles. Mais par exemple, j'avais posé la question, si un entraîneur de l'étranger vient... Est-ce qu'on sait s'il a été condamné dans son pays? J'avais demandé à Fabienne Bourdet, qui m'a dit que c'est très difficile à savoir, parce que déjà au niveau français, c'est difficile de faire les liens entre les fichiers, ceux qui sont fichés, et s'ils continuent à enseigner. Et ensuite, s'ils viennent d'autres pays, il y a des pays qui apparemment... ne donnent pas d'informations, ou d'autres qui sont encore plus en retard et qui n'ont pas du tout fait ce travail-là. Donc, parce que les entraîneurs bougent beaucoup aussi. Hein. On a beaucoup d'entraîneurs canadiens, belges, suisses, luxembourgeois. Enfin, c'est le monde du sport, c'est un monde où on bouge assez facilement. Donc, c'est vrai que si la personne elle part d'un pays pour aller refaire ça ailleurs et qu'on n'a pas de traces, ça pose aussi problème. Une question de notre collègue Jérôme Gage, s'il vous plaît. Madame Couchy, il faut éteindre. Voilà. Évidemment, merci. Je ne vais évidemment pas revenir sur
l'intensité de votre témoignage, même si, de fait, il appellerait aussi beaucoup de questions sur la manière dont vous décidez de prendre la parole, enfin, ce qui est toujours au-delà du milieu sportif, le cas de n'importe quel abus sexuel sur un mineur, de se poser la question à quel moment on est capable de prendre la parole. Mais ça fait le lien aussi avec la question que je veux vous poser, qui porte sur l'action de rebond. Vous nous dites, on fait de la sensibilisation, de la prévention et de l'information. Et donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, je pense, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ceux des messages que vous arrivez à faire passer. Je prends une seule question précise. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos sensibilisations, dans vos formations, et plus largement dans les messages que la FFT fait passer, par exemple, cette règle de dire « un adulte ne peut pas être seul avec un jeune » est un message qui est clair, qui est assumé, qui est porté, qui est revendiqué en disant « il ne peut pas y avoir voilà. ». Même question sur, et cela fait le lien avec mon premier point, sur l'aide à la libération de la parole. C'est-à-dire, est-ce qu'il est dit aujourd'hui dans ces écoles de tennis, dans les clubs, ça peut arriver avec vos entraîneurs, ça peut arriver avec les bénévoles. Et donc, vous devez signaler, vous devez le dire, c'est normal de le dire, il n'y a aucune raison. Quels sont les supports au-delà des formations que vous faites pour un peu le systématiser, pour que dans le milieu du sport, se disent ce qui se dit dans d'autres milieux au contact avec des enfants, de pouvoir dire s'il se passe quelque chose, dites-le. Voilà, c'est quoi les supports? Est-ce que dans le livret, avec la licence, est-ce que dans la newsletter, est-ce qu'aujourd'hui ces messages sont assumés et qu'il n'y a pas le côté de se dire on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas, quoi, voilà. Alors, il y a un outil de formation en ligne qui s'appelle LIFT à la Fédération française de tennis. Et dans cette formation, il y a une unité sur les violences sexuelles où là, justement, il y a divers points, justement, comme vous disiez, sur ne pas se retrouver seul dans une voiture avec un jeune, éviter les allers-retours seuls, etc. Il n'y a pas encore assez de connaissances à tous les étages. On va dans n'importe quel club de France, c'est pas systématique pour les gens que ça puisse poser problème, qu'on puisse être seul. Par exemple, un tennis couvert, souvent, ça, c'est des bulles. Et donc, si les parents ne viennent pas sur le terrain, personne ne le voit. Et donc, c'est des milieux où on est facilement esselé. Mais ça demande tellement de... Ça demande beaucoup de budget, mais c'est aussi à long terme penser sur les infrastructures, de les rendre aussi plus visibles. Même si on sait que c'est pas uniquement pendant les lieux d'entraînement où les violences vont avoir lieu. Hein. Il y a tellement d'autres possibilités. Mais j'ai l'impression que les gens encore voient le milieu sportif un peu comme un milieu différent. Où on pourrait se permettre d'autres choses parce qu'il y a une performance attendue, alors qu'il y a aussi dans le milieu de la musique de la performance attendue, mais ce côté dépassement physique et finalement violence physique qu'on accepte permet d'avoir des comportements qui arrivent plus souvent peut-être que dans d'autres milieux. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, je pense, dans les fédérations pour que... tout le monde, des bénévoles aux parents, prennent conscience qu'on ne parle pas mal à un enfant dans le milieu sportif comme on ne parle pas mal d'un enfant à l'école. Enfin, ça passerait pas qu'on dise à un enfant... souvent, dans les formations, justement, je fais le parallèle et je leur dis, mais si on dit à votre enfant « Oh, il est nul, t'avances pas, tu cours à deux à l'heure », les parents cautionnent quelque part, pas tous, mais beaucoup vont cautionner ça. Alors que je leur dis, mais s'il est en maths, on dit, mais vraiment, tu réfléchis à deux à l'heure, mais tu ne sais pas additionner, tu es vraiment un naze. Alors là, les parents vont s'offusquer. Alors que finalement, c'est exactement la même chose pour l'enfant. Et il faut que ça change la mentalité. Alors c'est à force, je pense que les témoignages, c'est important parce que c'est là aussi les gens prennent conscience que ça peut arriver à tout le monde. Parce que nos histoires, par exemple, on n'était pas des familles complètement abandonnées, avec des enfants qui étaient seuls. On dit « Ah oui, mais moi, ça ne pourrait pas m'arriver ». Enfin, souvent, on entend, et c'est terrible, c'est que personne n'est à l'abri. Aucun milieu socio-professionnel, aucun âge et aucun sexe n'est à l'abri.
Donc, il faut vraiment que ça soit... Moi, j'ai, à chaque fois que je prends une classe en cours, je me dis j'ai au moins 3 élèves qui ont vécu des violences sexuelles. Et c'est quand même... Avoir conscience de ça quand on accueille une classe toutes les 2 heures, c'est quand même... Et en fait, très peu... c'est pas su, parce que les enfants n'en ont pas encore parlé. Mais c'est les chiffres, et c'est quand même... c'est pas quelque chose qui arrive une fois tous les 10 000. Et c'est ce qui serait déjà trop. Mais là, on parle quand même de... Enfin, c'est énorme, les chiffres. Là, ils disent, Amélie Oudéa-Cacera rappelait que c'était 1 enfant sur 7 qui va avoir des violences sexuelles dans le milieu sportif avant la majorité. 1 enfant sur 7. C'est 1 enfant par groupe. On fait un groupe de tennis, il y en a un qui, avant ses 18 ans, va subir des violences sexuelles. Dans le milieu sportif. Claudia, une question ? Oui, alors moi je vous remercie également pour votre témoignage, que même nous on a du mal à entendre. Hein. Non, alors vous êtes enseignante. Y a-t-il pas une passerelle possible, justement, pour comme une forme d'instruction, pour protéger des enfants entre l'éducation nationale, notamment par les profs de sport, sur justement de dire à des enfants, eh ben, vous ne devez pas accepter qu'on vous insulte. Enfin, on le fait avec nos propres enfants, petits-enfants, mais au-delà de ça, on sait qu'il y a des familles qui ne sont pas forcément au fait. C'est vrai que dire la nullité, ça ne se dit pas à un enfant. Parce qu'un jour, il dira, je suis nul, alors qu'il n'est pas forcément nul, il est moins bon qu'un autre, ou il a d'autres qualités. Enfin, je veux dire, on peut toujours être positif. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, ça concerne... Alors, quand on est enseignant, on est obligé de regarder sur le fichier des prédateurs pour être recruté. Alors, je le sais, parce que je suis conseillère régionale. Tout le personnel qui travaille dans les lycées, on n'est pas soumis à ça. Donc, une personne peut avoir violé et travaillé au contact d'enfants, ce qui est une vraie problématique. Et à mon avis, en tant que législateur, il faudra peut-être un jour qu'on se penche là-dessus. Donc, quand un entraîneur ou... à un jour agressé, est-ce qu'il y a la possibilité d'enquêter quand on le recrute dans une fédération ? Alors justement, ça me fait penser au moment où il y avait l'instruction, ils avaient dit qu'il fallait plus qu'il ait un travail en contact de jeunes dans le milieu éducatif, et pour pouvoir sortir de préventive, il avait dit « j'ai trouvé un emploi dans une auto-école ». Et j'avais dit, bah moi ça me pose problème parce que ça veut dire qu'il va avoir des mineurs. Et donc, mais comme ça, ça n'avait pas paru choqué. Ça veut bien dire qu'il y a quand même encore, comme si on devait cloisonner. Enfin, il y a le milieu sportif, mais il y a tellement de milieux où il y a des jeunes qu'effectivement, ça peut être au milieu scolaire, dans des Ulysses, au milieu hospitalier. Enfin, on peut être en contact des jeunes par plein de biais différents. Donc effectivement, je pense qu'il y aurait besoin de légiférer sur ça. Et ensuite, justement, votre question sur les passerelles, c'est ce que j'aimerais présenter à M. Attal et Mme Oudéa-Castéra. Donc là, c'est la rentrée. En plus, aujourd'hui, ils sont ensemble, justement, à Orthèse, pour parler d'EPS. Donc c'est drôle. Et donc j'aimerais les voir pour leur proposer des actions, parce que j'aimerais... J'aimerais, si on pouvait mettre cette action en place, de former tous les enseignants d'EPS à travers les réunions du NSS qu'on a chaque début d'année, qui est une formation de fait, pour que les enseignants d'EPS, au sein de leur établissement ensuite, puissent faire cette formation auprès de leurs élèves. Tout d'abord, qui sont présents en UNSS, parce que c'est quand même la plus grosse fédération. Hein, on parle de fédération sportive, mais l'UNSS, c'est quand même la plus grosse fédé. Et ensuite l'étendre à tous les enseignants et à tous les personnels. Et effectivement, vous avez raison, quand on engage un personnel de cantine ou un agent d'entretien ou autre, effectivement, c'est des personnes qui évoluent avec des jeunes tous les jours. Et donc moi, je m'arrête pas seulement à la communauté éducative, je pense qu'il faut former tous les personnels au sens large. Et d'ailleurs, même si c'est pas juste parce qu'ils sont en contact avec des jeunes, c'est aussi parce qu'ils sont parents, oncles, grands-parents, et que c'est une parole qui doit être diffusée sur toute la société, parce que comme vous l'avez dit, nous on en parle à nos enfants et petits-enfants, mais c'est pas toujours le cas. Et il y a beaucoup de milieux où on parle pas du tout de ces choses-là. Bon, alors évidemment, là, nous, notre sujet, c'est les fédérations. On sait aussi que le premier lieu, c'est la famille. Pour les violences sexuelles. L'école sert aussi à ça, et je pense qu'il faudrait faire
plus de passerelles. Il faudrait qu'il y ait des formateurs. Et moi, d'ailleurs, j'ai l'occasion de les voir prochainement, je me proposerai. J'aimerais bien. Aujourd'hui, je suis professeur de PS dans un collège, mais si on me demandait si je voulais faire une autre mission au sein de l'éducation nationale par rapport à ça, je dirais oui, vraiment. Avec entrain, j'aimerais bien qu'il y ait des référents dans chaque établissement, un référent qui est formé et qui est là pour relayer un petit peu comme on a fait là avec le programme phare avec pour le harcèlement, au sens large aussi sur les violences sexuelles et les violences tout court, parce que ça peut être des violences physiques, ça peut être, on en a parlé, des violences verbales. Et ça a été par exemple le cas dans mon collège où j'ai des élèves, j'étais prof principale de 4e l'an dernier, sont venus me voir en me disant « Madame, on va arrêter la section foot parce que... on va arrêter la section foot. » Donc j'avais plein de garçons. Donc je leur dis « Ah bon, mais pourquoi ?» Et moi, ça m'étonnait. Ils venaient à mes créneaux du NSS le midi au foot. Je les vois jouer sur les terrains. J'habite la ville où j'enseigne. Je les vois jouer toute la journée sur les terrains de foot quand il n'y a pas école. Ils font les tournois, ils font les matchs. Et ils me disent « Ah, parce qu'il nous parle mal, l'entraîneur. » Et l'entraîneur, c'est l'entraîneur du club et ce n'est pas le prof de PS qui fait les cours à la section sportive. Et donc là, ils nous disent, ouais, vous êtes des petites tafioles, vous allez vous prendre une branlée ce week-end, sans arrêt des remarques comme ça, donc des remarques homophobes, des remarques sexistes, des insultes. Et donc ils m'ont dit qu'ils voulaient arrêter. Et donc mon chef d'établissement l'an dernier, quand même, quand je lui en parle, il me dit, oh, t'es sûr, ça m'étonne, parce que quand même, c'est quelqu'un de bien. Bon, alors, c'est peut-être mon passé qui me... Si il dit ce genre de choses, c'est pas quelqu'un de bien. Et ensuite, pourquoi des enfants viendraient me raconter ça ? Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement difficile pour parler quand on est jeune que si, en plus, les rares fois où ils arrivent à prendre la parole, on leur dit « Non, mais c'est pas possible, l'entraîneur, c'est quelqu'un de bien », on peut pas s'en sortir. J'ai demandé qu'on puisse faire une réunion avec le fameux entraîneur qui a changé de club. Donc c'est lui qui a quitté le club. Mais il est entraîneur dans la ville d'à côté. Hein, donc ça ne change strictement rien. Si ce n'est que mes élèves de 4e, maintenant ils vivent leur section sportive plus sereinement. Mais il faut vraiment qu'on... Et quand j'en ai parlé en salle des profs, on se dit quand même, les profs, ils ont fait un master, ils réfléchissent un peu, ils m'ont dit « Oh, mais c'est comme ça, c'est le sport. » Et alors, c'était une prof de français, et je lui ai dit « Oui, mais toi, je t'entends hyper souvent dans ta salle. T'as fait 5 fautes en français, mais t'es vraiment une brêle. Oh là là, mais... » Et elle me regarde comme ça, et je lui dis « C'est exactement la même chose. » Et elle me dit « Ah bah ouais, mais... » Et là, les gens, en fait, ils ne transposent pas du tout ce qui se passe dans le milieu sportif ou... Et c'est là où je pense que l'EPS, elle a vraiment un rôle très important à jouer, parce qu'en fait, on a toujours une position un peu bancale. Hein. L'éducation nationale, il faut quand même se l'avouer. On n'est pas vraiment pris pour un vrai prof en salle des profs. Donc, il faut quand même qu'on arrive à faire ce lien entre l'école et le milieu sportif, alors que normalement, l'EPS, c'est vraiment l'école. Hein. Mais comme dans l'image des gens, on fait quelque chose où on pourrait tolérer des comportements qu'on ne tolérerait pas dans d'autres matières, et qu'on est aussi, on a la chance d'être la seule activité, la seule matière où les élèves ne sont pas dans un univers clos, assis, où en fait mes collègues, ils ne connaissent pas les élèves. Mes collègues, quand on arrive en conseil des classes, ils ne savent rien sur eux. Ils ne savent pas qui se fait harceler par un tel, qui vit mal l'échec, qui a des problèmes à la maison. Ils ne connaissent pas du tout les élèves parce qu'ils les ont en face d'eux, assis à 30, et que c'est déjà compliqué de faire cours à 30 personnes en même temps qui ont il y a des dyslexiques, il y a des autistes, il y a des élèves intellectuellement précoces, tout ça dans la même école. Qui est génial, hein, l'école inclusive, mais il faudrait vraiment qu'on puisse avoir les moyens. Mais bon, là, c'est encore un autre sujet. Mais nous, on peut les voir bouger, on peut les voir avoir des interactions entre eux, et ils sont plus facilement amenés à venir nous parler. Donc, je pense que les profs de PS, souvent, ont une relation un petit peu différente avec les élèves, et il faut vraiment essayer de faire en sorte qu'ils soient peut-être le référent dans l'établissement pour ces questions-là. De montrer que la norme, c'est pas de se faire insulter et faire une formation aux enfants sur ça. Je leur dis toujours, jamais personne doit essayer de briser vos rêves, vous dire que ce n'est pas possible, de vous dire que vous êtes mauvais, que vous pouvez pas y arriver.
Mais ça paraît fou, hein, parce que c'est, moi, pour moi, la bienveillance, c'est la première qualité qu'il faudrait avoir pour un enseignant. Mais il n'empêche que ce n'est pas tout le temps le cas. Et donc, avant même d'apprendre une matière, si on ne peut pas se construire en tant que futur citoyen, si on n'arrive pas à savoir comment on doit se comporter avec notre voisin, parce que comme on se fait mal parler, bah, du coup, on parle mal aussi à nos camarades. Parce que bon, ils parlent pas souvent hyper bien entre eux. Hein, il faut. Mais pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? C'est aussi essayer de trouver les origines de ça. Et je pense que c'est hyper important qu'on fasse des passerelles. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des enseignants de PS qui soient formés pendant les créneaux UNSS en début d'année. Et après, ils redéversent à l'ensemble de la communauté éducative et personnelle qui évolue dans un établissement. Et au début, j'avais pensé d'abord aller dans les établissements Génération 2024, parce que bon, c'est énorme le nombre d'élèves. Hein, il va falloir que ça soit une grosse action. Mais déjà, aller dans les établissements qui ont le label Génération 2024, on est à un an des Jeux Olympiques, et que ces élèves-là qui font partie de ce programme, qui sont en section sportive, en horaire aménagé, qui ont plus de sport que la moyenne dans leur emploi du temps, ils aient accès à cette formation, ça me paraît absolument indispensable. Je voudrais vous remercier. Si vous avez des compléments d'information, si vous souhaitez nous solliciter à nouveau, à l'écrit ou à l'oral, vous n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Nous sommes quelques-uns à faire partie également de la commission éducation, culture et le sport. Donc nous n'oublierons pas de revenir vers vous pour avoir des propositions concrètes et on se donnera suite. En tout cas, longue vie à Rebond, même si je souhaite qu'on n'en ait plus jamais besoin. Mais en tout cas, un message comme ça, positif et d'éducation au sein des collectivités, au sein des clubs, des fédérations, il est nécessaire. On parle dans le domaine du sport, mais vous l'avez dit, dans tout domaine d'activité, c'est grandement nécessaire qu'on ait cette éducation. Et que quand vous témoignez comme ça, avec cette sincérité sur votre parcours personnel, eh bien, j'espère que ça servira également à éviter des situations, d'autres situations critiques, et à prévenir que nos enfants puissent pratiquer du sport dans de bonnes conditions. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur.